n'ont pas pu trouver place, il y a une retransmission juste à côté. Voilà, et donc ils pourront suivre la présentation qui sera retransmise juste à côté. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir, ça fait partie des conférences habituelles mensuelles. Simplement, je vous annonce que la prochaine conférence, d'habitude c'est toujours le dernier mardi de chaque mois, là pour des raisons diverses, la prochaine conférence ne sera pas à la fin du mois de mars, mais le mardi 19 mars. Et elle sera donnée toujours à 18h, cette fois-ci par Sylvie Vauclair. Et c'est le titre en est « L'homme face à l'univers ». Un beau programme. Voilà. Voilà. Donc notez bien que c'est pas le dernier mardi, c'est le mardi 19 mars, la prochaine. Voilà. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'avoir une conférence, toujours dans le domaine spatial. Cette conférence, elle est toujours dans le cadre, fait partie du cycle des conférences qui sont organisées par l'Académie de l'air et de l'espace en partenariat avec la médiathèque. Et puis nous avons également ce soir un partenariat avec la 3AF Midi-Pyrénées de Toulouse. Voilà, donc ce qui explique l'assistance particulièrement nombreuse pour écouter François Minière. Voilà. Le thème de ce soir donc, sera consacré à la mission d'astrométrie de l'Agence spatiale européenne, dénommée Gaïa. Si ma mémoire est exacte, le I de Gaïa, c'était pour l'interférométrie. Mais L'acronyme initial avait un sens, voilà. Aujourd'hui il n'en a plus. Voilà. Et donc, en fait, je crois qu'il n'y avait pas d'interférométrie. Mais c'est bien de la cartographie en 3D, en fait, de notre galaxie. Position, distance et mouvement des étoiles de notre galaxie, qui est la mission principale, mais il y a également d'autres résultats très intéressants dont nous parlera François Minière. Ces missions d'astrométrie, elles ont une particularité. Elles sont, d'abord, ça fait pratiquement 50 ans qu'il y en a eu deux grandes missions. Hipparcos d'abord, alors qui a été conçu dans les années 60, fin des années 60. Quand je suis rentré au CNES, c'était début des années 70, vous voyez comme je suis vieux, j'ai eu à prendre connaissance de cette proposition, c'était la proposition du professeur Lacroute. Alors c'était un peu cher pour le CNES, donc quand l'Agence spatiale européenne a été créée pour la suite de l'ESRO, donc c'est l'Agence spatiale européenne qui a développé donc, cette mission Hipparcos. Et alors, une particularité, c'est que Toulouse est la capitale industrielle, au moins, de l'astrométrie. Puisque les deux grandes missions d'astrométrie mondiale, puisqu'il n'y en a pas d'autres dans le monde, aussi pertinentes et aussi qui ont donné d'aussi bons résultats, ont été donc pilotées sur le plan industriel, d'abord par Matra, pour Hipparcos, à la tête d'un consortium industriel qui s'appelait MESH à l'époque. Et puis pour Gaïa, eh bien c'est également... Alors, Matra est devenu à l'époque Astrium. Maintenant, c'est Airbus Defence and Space. Et donc, c'est également pour Gaïa, c'est bien toujours Toulouse qui a piloté sur le plan industriel cette réalisation. Il y a également des petits industriels moins connus. Les télescopes, qui sont des particularités tout à fait étonnantes, ont été réalisés par une petite société qui est près de Tarbes, qui s'appelle Boustec, en carbure de silicium. Voilà, donc notre région est à l'honneur dans l'astrométrie, et en particulier sur Gaïa. Voilà, donc pour nous parler de cette mission d'astrométrie, nous avons la chance d'accueillir François Minière, qui est certainement le mieux à même de nous parler de cette mission, puisqu'il est le principal investigateur PI en anglais, pour la partie française de cette mission. Dès la conception, il en a été un des promoteurs, donc il y a près de 30 ans peut-être. 96, 97. Voilà, ouais, ça fait un petit bout de temps. Et donc il en connaît tout l'historique, tous les objectifs, et il a également, bien qu'il soit
Maintenant chercheur émérite, astronome et chercheur émérite, il en continue toujours à piloter l'exploitation des données de cette mission qui est actuellement en cours. Hein, donc elle a été lancée, alors ça a mis un certain temps pour la réaliser, elle a été lancée en décembre 2013, si j'ai bonne mémoire, par une fusée Soyouz. Et on l'a mis à 1 500 000 km de la Terre, au point de Lagrange, dit L2. Voilà, où donc elle cartographie régulièrement le Soleil, notre galaxie, depuis donc maintenant, ça fait déjà 5 ans. Voilà. Mais alors, au début, c'était 5 ans, je crois bien qu'elle a été. On l'a prolongée. Donc elle se porte bien et elle continue à prendre des données. Voilà. Donc François Mignard va nous parler de cette mission. François Mignard est normalien, chercheur au CNRS depuis 1975, donc actuellement astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Donc si la technique est à Toulouse, la science est plutôt du côté de la Côte d'Azur. Et il est directeur de recherche émérite du CNRS. Les chercheurs ne sont jamais à la retraite, en fait. Voilà. Ce que dit mon épouse. Voilà, exactement. Dès le début, il a été donc très actif dans toute l'exploitation des données d'astrométrie, avec le premier projet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était Hipparcos. Et donc, il poursuit tous ses travaux d'exploitation des données dans le cadre de Gaïa. François Mignard est aussi membre de divers comités scientifiques, membre du bureau des longitudes. C'est normal, parce que je pense que les marins, ils ont besoin de se piloter par rapport aux étoiles. Membre correspondant de l'Académie des arts et de l'espace. Et puis, François Mignard a reçu également des prix prestigieux de l'Académie des sciences, en particulier le prix Johannides en 96, et la fameuse médaille aussi, la médaille Janssen, en 2011. Je crois qu'elle n'est décernée que tous les 4 ans, je crois, me rappeler. Voilà. Et donc, on va laisser la parole à François Mignard. Merci beaucoup pour cette introduction et cette mise en contexte, puisque effectivement, je vais vous parler de cette mission qui a une attache locale de par la réalisation de l'instrument. Et donc, je vais beaucoup parler de l'instrument. En gros, dans ma présentation, il y aura deux parties. Une partie qui va vous décrire comment fonctionne, pourquoi on a fait cette mission d'abord. Il faut essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Et puis une deuxième partie, on va parler où on en est des premiers résultats scientifiques, puisqu'elle est lancée depuis 5 ans, il y a des choses qui sont sorties. Et donc, la deuxième partie d'exposé va vous expliquer un petit peu quelques coups de projecteur, on peut dire, sur les résultats principaux qui résultent de l'exploitation d'une mission qui est une mission de relevé. C'est-à-dire en elle-même, elle ne produit pas directement de la science, c'est les gens qui utilisent ces résultats qui produisent de la science. Ce n'est pas une mission comme si on va faire une exploration planétaire où on fait une photographie, où on analyse un échantillon. Là, Gaïa, il produit des données pour tout le monde. On va essayer d'expliquer cette philosophie qui est un petit peu particulière et qui fait qu'on remet les données à la communauté. Donc, essayons de résumer. On m'a demandé plusieurs fois, est-ce que tu peux me donner une planche sur Gaïa? Alors, quand j'en fais une, je fais ce résumé-là. C'est-à-dire que c'est les caractéristiques. C'est une mission européenne de l'Agence spatiale européenne et uniquement de l'Agence spatiale européenne. Il n'y a pas de collaboration avec une agence japonaise, une agence américaine. C'est les Européens qui ont décidé, dans le cadre de leur programme scientifique, de sélectionner cette mission au printemps 2000. Vous voyez que c'est long quand même. Lancée le 19 décembre 2013 depuis Kourou. Un lancement magnifique pour ceux qui ont eu la chance d'y assister. Et l'objectif qui a été fixé dès le début, dès la proposition, étudier le contenu, l'histoire, l'évolution de la Voie lactée. C'est-à-dire, donc ça situe un peu dans l'espace les objets qui nous intéressent. Ce sont les étoiles, pour l'essentiel. Il y en a 200 milliards dans la galaxie. On ne va pas en observer 200 milliards, mais on va en observer beaucoup quand même. Et puis, on peut aller un petit peu au-delà de la galaxie, puis un petit peu à l'intérieur, plus près de nous. Mais l'objectif central, c'est le milieu stellaire. Que ce soit des étoiles isolées ou des étoiles en groupe, pour essayer de comprendre comment tout ça s'est formé et comment ça évolue. Ça ne s'est pas formé d'un seul coup. C'est aussi le but de Gaïa. Les méthodes, c'est d'astrométrie, le mot a été prononcé, d'astrométrie. Et le point de départ, c'est vraiment le succès de la mission Hipparcos, donc elle lancée en 1989.
qui a eu pour objectif et pour réussite de faire un catalogue de 100 000 étoiles avec des positions et des distances, c'est le terme clé, par une technique traditionnelle de l'astronomie. On revient en arrière, d'un point de vue-là, au sens où on cherche à positionner les objets. C'était passé de mode, un petit peu, par rapport à d'autres réalisations de l'astronomie. On s'est aperçu que ça avait, bien sûr, toujours le même potentiel, à condition, un, d'aller dans l'espace, et d'avoir une précision que je vais essayer de faire passer tout à l'heure, parce que c'est le point essentiel dans les mesures de distance. Donc, une fois qu'on a lancé un satellite comme ça pour l'astrométrie, ben, on rajoute éventuellement des instruments dont le coût est marginal par rapport au coût initial, en particulier pour mesurer l'éclat des étoiles, mesurer la vitesse par rapport à nous, la vitesse radiale. Ça fait donc, en gros, trois instruments qui sont à bord. Le but, observation de 1 milliard d'étoiles, c'est un nombre comme ça, le but n'est pas d'établir un record, c'est d'arriver à une certaine sensibilité, et on s'aperçoit que ça correspond à peu près à 1 milliard d'étoiles. En fait, on en a pratiquement deux. Mais voilà, on ne cherchait pas 1 milliard. Il faut telle sensibilité pour faire la science que l'on désire effectuer avec Gaïa, compte tenu des moyens techniques disponibles, bien évidemment. Donc, mesure des distances par la méthode géométrique, ça va être le point essentiel de l'exposé. On va essayer de développer cet aspect-là. Donc, la précision qu'on a notée ici en seconde d'arc, un cent millième de seconde d'arc, ça ne dit pas grand-chose, mais en termes angulaires, c'est l'équivalent de la taille sous laquelle on verrait, l'angle sous lequel on verrait une pièce de 1 euro déposée sur la Lune. Donc, c'est quelque chose extrêmement fin en angle, et c'est une qualité de position. C'est-à-dire qu'on sait dire que telle étoile, par rapport à telle autre, elles ont une distance avec cette précision-là. On ne voit pas de détail des objets à ce niveau-là. Ce n'est pas une mission de résolution en spatiale au sens qualité de surface des objets. Alors, disons rapidement un mot sur la Voie lactée. Donc, la Voie lactée, c'est notre galaxie. Tous ceux qui ont regardé le ciel au moins une fois dans leur vie, et je pense que c'est tout le monde dans cette salle, ont vu particulièrement en été, puisqu'on la voit mieux, parce qu'on est plus facilement dehors en été. Et si on va dans l'hémisphère sud, c'est encore plus joli. Donc, cette longue distribution qui est dans le ciel, qui a été notée dans toutes les civilisations, qui lui ont donné un nom, qui lui ont donné une histoire. Mais en tous les cas, il y avait l'idée que c'était quelque chose d'un petit peu laiteux, de continu, et qui tranchait avec ce qu'on voit à l'extérieur de la Voie lactée, c'est-à-dire des étoiles individuelles. Ça semblait être une espèce de nuage continu. Et ce n'est qu'en 1610 que Galilée a montré qu'en fait, c'était un assemblage d'étoiles très proches les unes des autres qui donnait l'illusion du continu. Et donc, on a compris à ce moment-là que c'était beaucoup, beaucoup d'étoiles resserrées les unes par rapport aux autres en perspective sur le ciel. Donc, son diamètre est de l'ordre de 100 000 années-lumière. Donc, c'est un objet isolé, on peut dire, dans l'univers, par rapport à d'autres galaxies du même type qui sont éloignées de plusieurs millions, voire milliards d'années-lumière de la nôtre. Alors, Gaïa, je vous dis, le point de départ, c'est bien ça, c'est l'étude de la galaxie par les méthodes de l'astrométrie, mais quand on envisage une mission de ce type qui est capable d'observer beaucoup, beaucoup d'objets et d'avoir les six paramètres fondamentaux, c'est-à-dire la position, deux paramètres, une longitude, la distance, un paramètre, la vitesse sur le ciel, deux autres paramètres, la vitesse sur la profondeur, ça fait six quantités. Chaque objet est décrit par six quantités, et les deux fois trois, c'est-à-dire position et vitesse, c'est deux informations excessivement importantes qui se combinent entre elles. C'est très important d'avoir les deux. Donc, quand on a ça, on peut avoir des objectifs en fait, beaucoup plus variés que l'objectif principal de la Voie lactée. Donc, le cœur de mission ou le cœur de cible, en marketing, on dirait, c'est la galaxie et les étoiles. Donc, la Voie lactée, les étoiles, individuelles ou collectivement étudiées. Mais à côté de ça, il y a les étoiles multiples. Là, il y en a deux, trois, les unes à côté des autres, qui tournent les unes autour des autres. Gaïa, grâce à sa résolution, peut étudier ces systèmes. Les exoplanètes, par une méthode qui n'est pas la méthode classique des vitesses radiales, qui est la méthode, ça bouge un petit peu sur le ciel, parce que la planète invisible fait bouger l'étoile autour du centre de gravité des deux, et normalement, on doit pouvoir détecter ce mouvement. Le système solaire, les objets proches, pour autant qu'ils soient suffisamment brillants, on va les voir également. Gaïa voit tout ce qui est suffisamment ponctuel et qui ne bouge pas trop, trop vite. Une étoile filante, on ne verra rien. Ça a été artificiel, on ne verra rien.
Mais une planète, bien sûr, une petite planète, vous la regardez la nuit, à l'œil, vous ne voyez pas que ça bouge. Donc Gaïa est capable de les détecter comme une étoile. Système de référence, c'est plus abstrait, mais en gros, là, on va beaucoup plus loin. Ce n'est pas des objets de la galaxie, c'est des objets qui sont à des milliards d'années-lumière, cette fois-ci, des quasars, qui vont servir à créer, à matérialiser les directions à partir duquel on va repérer tout le reste. Donc c'est fondamental pour le succès de la mission d'observer ces objets excessivement lointains qui, en principe, n'ont pas le moindre mouvement global, en tout cas. Des tests de relativité générale, je ne vais pas les décrire, et puis les galaxies et quasars, il y a les quasars, mais il y a aussi des galaxies qui environnent la nôtre, et des galaxies plus lointaines, Gaïa, dans son catalogue, il aura probablement 10, 20, 50 millions de galaxies qui auront été identifiées différemment des étoiles. Il y aura marqué, ceci n'est pas une étoile, c'est une galaxie. Alors, je reviens à cet objectif initial, parce qu'on dépense beaucoup d'argent dans une affaire comme ça, une mission comme ça, gros, c'est, avec le traitement, c'est une mission qui autour du milliard d'euros. Alors, ça ne fait pas beaucoup quand on le ramène à la population européenne, mais c'est une belle mission scientifique quand même. C'est un choix important à faire. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, des gens ont considéré qu'aller mesurer les distances des étoiles, par rapport à faire autre chose, puisqu'une sélection, ça consiste à dire ben, on prend ça et l'autre, on verra plus tard, ça a été suffisamment jugé pertinent pour qu'on prenne la décision d'investir du savoir-faire, technologie industrielle, du développement et de l'argent pour payer des gens et payer du hardware sur ça. Donc, pourquoi tant d'efforts pour les distances? Je vais essayer de vous expliquer ça. D'abord, on va dire, ben, admettons qu'on ait les distances des étoiles. C'est déjà pas mal. On peut faire une cartographie en profondeur. Et si on a les vitesses, on a un peu plus que ça. C'est déjà pas mal, mais ça donne déjà beaucoup plus. Si je cherche à avoir la quantité d'énergie émise par une étoile en observant l'étoile de chez moi, d'ici, de la Terre, si je veux avoir sa masse, si je veux avoir son diamètre, si je veux avoir son âge, c'est plus compliqué, mais ça, toutes ces choses-là nécessitent d'avoir à un certain moment la distance. La luminosité et l'énergie, c'est évident. Les autres, c'est moins évident. Mais c'est des chaînes de raisonnement astronomiques qui montrent que la distance est nécessaire pour déduire des paramètres physiques des objets. Donc l'objectif, c'est bien celui-là, en particulier l'énergie rayonnée. Donc il faut la distance. Et pourquoi la distance est difficile? Eh bien, il suffit de regarder cette petite image. Alors les astronomes amateurs ont reconnu ici le petit nuage de Magellan à droite, le grand nuage de Magellan à gauche. Et quand je projette cette image, je demande dans la salle, même si on ne répond pas, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, hein? Et ben, oui. Donc, fort logiquement, hein, à moins d'être très informé, ça c'est devant et ça c'est derrière. C'est l'impression que ça donne, puisque ça ressemble à un système comme on a sur Terre avec des nuages. Bon, alors vous savez bien, si vous êtes un peu astronome, que c'est le contraire, que ce qui est devant est à quelques centaines, voire milliers d'années-lumière, les étoiles, alors que les deux groupes un peu laiteux comme ça, qui sont des galaxies, sont à 150 000 années-lumière. Donc beaucoup, beaucoup plus loin, externe, complètement extérieur à la Voie lactée. Donc ça veut dire qu'en regardant le ciel comme ça, on n'en a qu'une vision projetée, et il est impossible comme ça, sans autres outils, de dire... Ben, je ne parle même pas de la distance, je parle que de la distance relative. Qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière? La distance, ça devient quantitative, c'est encore plus difficile. Donc l'astronome, il est démuni initialement par rapport à cette question-là, parce que les choses sont sur le plan du ciel, et pour essayer de dépouiller, donc de comprendre ce qui est devant, ce qui est derrière, ben, il faut des outils un peu spécialisés, qu'on appelle les mesures de distance. Donc je vais essayer de vous faire sentir ce problème avec une petite... petite série là d'animation où on pose des questions. Donc on va voir l'importance des suppositions ou des hypothèses que l'on fait quand on décrypte une image. Donc je vous donne ceci. Très logiquement, avec notre culture de citadin, on dit ça c'est une route qui s'en va là-bas. Il y a des petits ronds là où on plante des arbres ou des lampadaires qui vont être là. Il n'y a pas de difficulté. Et puis je mets une voiture ici. Et si je pose la question « Quelle est la voiture éloignée ?»« Quelle est la voiture la plus rapprochée ?» Bien évidemment, on va répondre « Celle-ci est plus proche, celle-ci est plus éloignée », en faisant appel, sans le formuler, à des hypothèses. Les deux voitures sont identiques. Ce sont les mêmes. Ben oui, elles ont la même allure. C'est des voitures des années 1930. Et puis, dans ma tête, je suis habitué à voir la dimension angulaire
qui est une caractéristique de la distance. Deux objets identiques, si j'envoie un plus petit en angle, c'est qu'il est plus éloigné que celui qui est plus gros. Donc je continue cette affaire-là. Cette fois-ci, je n'ai plus de repères. C'est-à-dire, je ne vois plus ma route, qui m'aidait beaucoup quand même à conforter cette hypothèse. Ici, la réponse, si je la donne telle que je l'ai donnée précédemment, j'ai plus qu'à faire vraiment une hypothèse forte, qui est voiture identique, distance différente. Précédemment, j'avais mon repère quand même. Hein. J'avais ces petits repères qui m'aidaient, parce que j'avais des petites marques, j'avais tout ça, hein, des objets intermédiaires. Donc on continue avec ça. Et voilà la réponse. Donc, est-ce qu'elle est bonne ? Voilà. Donc, clairement, il suffit de changer un peu l'hypothèse. Et bien sûr, le prémisse ayant été changé, la conclusion n'est plus la même. Voilà. Et donc, ça met en garde, si je puis dire, pour tout astronome, à des conclusions trop hâtives si on n'a pas bien pris en compte tout ce qu'on a supposé pour conclure quelque chose. Par exemple, quand on prend la luminosité des étoiles, le fait qu'elle diminue avec la distance, à un moment donné, il faut se dire « Oui, mais est-ce que la lumière n'a pas été absorbée ?» Ah ben oui, la lumière est absorbée en plus. Donc ça change tout. C'est plus pareil. Ça ne diminue pas de la même manière. Si la lumière est absorbée, si elle n'est pas absorbée. Voilà des tas de sources possibles de biais, d'erreurs, qui sont quotidiens de l'astronome et du scientifique en général. Alors, donc, on a vu ça, c'était juste pour faire sentir ce problème qui est de nature scientifique, mais aussi un peu philosophique. Hein, comment appréhender la nature à partir de nos sens, hein, c'est la question qui est posée, c'est celle-là. Donc on arrive à Gaïa. Gaïa est lancé donc le 19 décembre 2013, je vous l'ai dit, donc, dans la matinée UTC. Il était 5 heures du matin à Kourou, 5-6 heures du matin. Tout s'est très très bien passé. La fusée est partie à l'heure. Les séparations sont toutes bien déroulées. Et puis l'ouverture des panneaux solaires, qui est la partie cruciale pour les gens qui travaillent dessus, s'est déroulée également dans les temps. Donc Gaïa, voici comment ça se présente. C'est une vue qui a été faite à partir de la réalisation. Ce n'est pas une photo, hein, c'est un dessin. Donc c'est quelque chose de très gros, hein, quand on voit ça. Donc là, il est tel qu'il est dans l'espace. Donc cette partie-là, la partie basse, ça fait 10 mètres. Donc ça parle comme ça, c'est très gros. Hein. Ça fait 10 mètres de diamètre, et la hauteur, c'est un peu plus de 3 mètres. Donc c'est un gros satellite, hein, une fois qu'il est déployé. Alors quand il est dans la fusée, bien sûr, le bas est replié comme un parapluie, hein, en deux, trois choses. Puis c'est une fois que c'est en l'air, qu'on a enlevé la coiffe, que ceci se déplie. Hein. Mais au départ, c'est serré pour rentrer dans les coiffes des fusées qui sont de l'ordre de 3 mètres de diamètre. Donc la partie basse, c'est ce qu'on appelle le bouclier thermique. Donc j'ai expliqué tout à l'heure ce qui se passe. Hein. Le soleil est toujours de l'autre côté. Et la partie importante pour nous, là où sont les observations, c'est les deux ouvertures qui sont. Une là, une qui est là. Et derrière, il y a les télescopes. On va voir maintenant. Donc là, il y a deux ouvertures, deux pupilles, deux endroits où on va collecter la lumière, qui sont séparés de 106 degrés l'un de l'autre. Donc comme ça. Donc il y a tout instant deux télescopes qui pointent deux parties du ciel. Et on capte les informations venant des deux endroits simultanément. Donc, quelques petites choses sur le contrôle thermique. C'est de l'optique. Ça peut être du carbure de silicium, des choses qui ont des propriétés de résistance, des propriétés de faible dilatation. Il faut une stabilité thermique extrêmement importante pour faire de la métrologie. Hein, on a besoin d'une règle. La règle, c'est cet angle-là. Il faut qu'il soit excessivement stable. C'est l'équivalent d'avoir une règle graduée qui sert d'étalon. Nous, c'est l'angle qui sert d'étalon pour tout le reste. Sinon, il n'y a pas d'unité, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc, ça nécessite d'avoir une stabilité à l'endroit où se trouve l'optique de l'ordre de 1 dix millième de Kelvin sur des périodes relativement courtes, quelques heures. Sur un mois, deux mois, un an, ça peut bouger un peu plus. Ça pourrait bouger de 1 Kelvin, c'est suivi, ça, c'est réglé. Mais sur des périodes courtes, il faut que ça soit d'une très grande stabilité. Et tout le principe de Gaïa repose sur cette stabilité. Si on ne l'avait pas, il y aurait une perte considérable. Donc tout ça, c'est une isolation thermique passive. Hein, il n'y a pas de radiateur, il n'y a pas de climatiseur. Tout ça, c'est passif. On s'arrange pour que le rayonnement solaire n'arrive pas au bout et qu'il n'y ait pas de variation, surtout de ce rayonnement solaire, dans la
Donc c'est pour ça que je dis, le Soleil est toujours de l'autre côté. Et vous voyez les différentes stabilités en fonction de la distance. Et dans la partie centrale, le cœur de Gaïa, on est à plus ou moins donc 10 microkelvin, 5 microkelvin, à moins 150 Celsius pour les miroirs et le système optique qui les supporte. Alors, comme j'ai dit, on peut considérer qu'il y a trois instruments. Quelquefois, je dis qu'il y en a quatre en rajoutant le traitement au sol, parce que c'est une partie très importante. Il y a beaucoup de monde dessus. Donc, mais au sens hardware, il y a vraiment trois instruments. Donc, les mesures de position, donc c'est un détecteur, c'est gros, ça fait presque un mètre, ça fait 70 cm comme ça, bourré de CCD, chacun avec plus d'un million de pixels, 10 millions de pixels par CCD, et il y en a 100 au total, donc ça fait un milliard de pixels. Ça va, juste pour ceux qui sont habitués à la photométrie astronomique, jusqu'à la magnitude 21 dans la détection. Alors, à l'œil nu, on voit des objets jusqu'à magnitude 6, et c'est une échelle logarithmique. Donc 21, je n'ai pas préparé les chiffres, mais ça doit être 1 million ou 10 millions de fois plus faible qu'à l'œil nu. On fera le calcul tout à l'heure. Avec l'astrométrie, on détermine les paramètres de position et de vitesse, sauf la vitesse sur la ligne de visée. Il faut un instrument spécialisé. Mesure d'éclat, donc deux photomètres, un qui est plus dans la bande rouge, on va dire, l'autre plus dans la bande bleue. Et mesure de spectre, pour avoir cette fameuse vitesse sur la ligne de visée, la vitesse radiale, et puis bien d'autres choses, parce que le spectre, il recèle énormément d'informations sur la physique des objets, donc la composition chimique est déduite également de ces spectres. Donc tout ça, c'est des mesures qui sont simultanées, faites en différents points du champ. Donc voilà la partie optique et son support. Donc il y a deux télescopes, je vous l'ai dit, voilà, c'est deux télescopes qui sont à 106 degrés, qui font 1,45 m dans une des dimensions, qui est la dimension dans laquelle on balaye le ciel, et puis 0,50 m dans l'autre sens, qui a une moins d'importance, mais la surface collectrice, c'est important, parce que c'est elle qui permet d'accéder aux objets faibles, bien évidemment. Alors tout ça, c'est un système optique très complexe, puisque la distance focale fait 35 mètres, donc quelque chose qui, en pratique, fait 3 mètres, donc ça va et vient, et c'est replié. Et la lumière... qui fait le mélange pour récupérer ça dans la même direction. Alors regardons ce détecteur, hein, comme j'ai dit, là, le voilà. Hein, voilà. Hein, il est assez complexe. Donc chaque petit rectangle bleu, rouge, là, ou vert, c'est un détecteur CCD qui fait quelques centimètres. Hein, ça doit faire 3 ou 4 centimètres de dimension. Bon, il y en a 7 sur 40, sur 70 centimètres, 7-8 centimètres. Donc chacun fait 10 millions de pixels, mais ils ont une fonction séparée. Donc les deux de gauche, alors on ne s'occupe pas de la toute première rangée, une rangée spéciale, technique, pour contrôler l'instrument. Et ça ne fait pas de mesure au sens strict, ça détecte. Là, Gaïa, il tombe. Puis les étoiles rentrent plusieurs centaines par seconde. Hein. Il y en a 500, 600 par seconde. Mais on ne sait pas qu'elles arrivent. On ne sait pas qu'elles arrivent. Donc, c'est à bord, le système détecte une étoile est arrivée. En fait, plusieurs dizaines sont arrivées. Donc, ce détecteur-là, il veut dire qu'elle arrive par le champ A, et l'autre, il dit qu'elle arrive par le champ B. Ça, c'est très pratique de savoir qu'une étoile a été observée dans le champ A, dans le champ B, pour le traitement. Et à partir de là, on va faire les mesures. Donc, on va regarder avec l'animation comment ça se passe. Donc, le satellite tourne et... Alors, voilà, ça fonctionne. Hop, l'étoile passe. Oui, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc, on a détecté champ A et champ B. À partir de là, on fait 9 mesures astrométriques. Donc, 9 mesures de position dans le champ. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas, ce n'est pas sur le ciel. Hein. On dit, ben voilà, l'étoile, elle est passée ici, elle est passée ici, elle est passée ici. Et à l'instant très précis T, elle est passée au milieu. C'est ça qui va être l'information. Ça continue à tourner. Ici, il y a deux spectros, c'est-à-dire que l'image est légèrement dispersée par des prismes. Donc, ce n'est plus tout à fait un point. Donc, c'est un peu plus long qu'un point. Et là, on l'étudie dans le bleu. Là, on l'étudie dans le rouge.
Et puis dans cette partie-là, qui est un peu plus étroite, on n'a pas toutes les étoiles à chaque passage, là, c'est très dispersé. Donc c'est un spectro, donc il y a un réseau qui disperse. Là, c'est très étalé, et là, on a une toute petite bande de longueur d'onde. Ici, la bande de longueur d'onde fait plusieurs centaines de 0,1 de nanomètres. Et ici, en revanche, c'est une toute petite fraction de du spectre qui est étudié. Donc, chaque fois qu'une étoile passe, elle est observée en astrométrie, en photométrie et en partie, si elle est assez brillante et si elle est dans la partie supérieure, en spectroscopie. Et comme le satellite tourne, bien évidemment, les étoiles, on va les revoir plusieurs fois, un jour, ensuite 2 semaines plus tard, ensuite 4 semaines plus tard, peut-être 1 mois plus tard, on va revenir. Donc chaque région du ciel sera explorée et réexplorée de nombreuses fois autour de la mission. On va le voir dans une petite animation à venir. Une propriété dont on n'avait pas mesuré l'importance, on va dire, peut-être au départ, hein, au point de vue scientifique, c'est la résolution spatiale. Gaïa, alors là, j'ai dit tout à l'heure, on avait de la précision de localisation, hein, 10 microarcs/seconde, mais la résolution spatiale, c'est la capacité à détecter 2 objets proches l'un de l'autre comme 2 objets, et non pas comme 1 mélangé. Au sol, essentiellement à cause de l'atmosphère, sauf avec des précautions particulières, des instruments équipés pour le faire, on a entre 1 et 2 secondes d'arc. C'est-à-dire que des étoiles doubles ordinaires, séparées de 0 et 1 seconde, elles apparaissent comme une seule. Gaïa est une résolution spatiale hors de l'atmosphère, avec des miroirs qui font 1,50 m, 1,40 m, qui est comparable à celle du Hubble Space Telescope. Alors on peut donner un chiffre si ça aide, 0,25 secondes d'arc. C'est-à-dire 2 objets séparés de 0,25 secondes d'arc sont vus comme 2 objets. 2 objets séparés de 0,1 seconde d'arc sont vus comme un seul. 2, 3, 4, peu importe, hein. On n'arrive pas à résoudre. Mais 0,25 pour un astronome, c'est beaucoup. Alors, ce n'est pas beaucoup dans un petit champ avec un instrument spécialisé, mais dès l'instant où on veut faire tout le ciel, ça n'a jamais été fait. Donc, un des résultats importants de Gaïa, comme je l'ai dit, sur lequel on n'avait pas insisté initialement, c'est cette carte du ciel à haute résolution. Le fait que c'est les 4 pi du ciel complet qui sont vus à cette résolution. Alors que des instruments spécialisés, même le Hubble Space Telescope, c'est des petits champs. On peut le faire sur des tout petits morceaux. Gaïa le fait sur tout le ciel. On n'a jamais eu une carte céleste à cette résolution. Donc c'est une propriété. Alors regardons maintenant ce qui va se passer. Donc mon objet, Gaïa est là, il tourne. Et chaque jour qui passe, il observe, comme j'ai dit, plusieurs centaines d'étoiles par seconde. Donc 24 heures de passage en continu, c'est 50 millions d'étoiles. Typiquement, en moyenne, par jour, il y a 50 millions de détections, ce qui veut dire étoiles. Il y a des petites choses en plus, mais pour l'essentiel, c'est des étoiles. En gros, en moyenne, 800 par seconde. 600 millions de mesures de position. Effectivement, on fait 10 mesures par passage. Donc, chaque jour, il y a 600 millions de mesures de position. 150 millions de mesures d'éclat, une dans le bleu, une dans le rouge. 13 millions de vitesses radiales dans la spectro. Et 40 gigaoctets de volume de données qui sont transmis au sol. 24 heures sur 24. Pas la transmission, l'acquisition. La transmission, c'est 8 heures par jour en moyenne, quand le satellite est visible depuis des antennes de collection qui sont du côté de Madrid, pour l'essentiel. Il y a d'autres antennes, mais la base, c'est celle-là. Donc ça fait beaucoup. Si on regarde sur la durée, voilà, depuis 51 mois, c'est un peu plus que 51, d'ailleurs, je n'ai pas accroché, du 25 juillet 2014 au 20 février 2019, ça va faire plus que 51 mois maintenant, 53 ou 54. Donc on a eu 115 milliards de détections, qui correspond à 1100 milliards de mesures. C'est des nombres qui donnent le vertige. Hein. Ça situe la difficulté du traitement au sol, bien évidemment, quand on voit des nombres pareils. 230 milliards de mesures photométriques, donc à différentes dates, différentes époques. Une étoile est variable photométriquement, on le voit, bien évidemment. 23 milliards de mesures spectroscopiques et 3 milliards de sources dans le catalogue de travail qui donneront à la fin, une fois qu'on aura enlevé tout ce qui est fausse détection, doublons, de l'ordre de 1,8 milliard d'objets dans le catalogue, d'étoiles, il y aura d'autres objets. Et le diagramme du bas,
Eh bien, c'est une figure que j'essaie de maintenir à peu près régulièrement, tous les mois, tous les deux mois, qui donne l'histoire du nombre de détections. Donc l'unité, c'est des millions d'observations par jour. Hein, vous voyez à gauche, donc 150 millions, 200 millions. Hein, vous voyez la moyenne, on va la voir là. Hein, voilà, typiquement 50 à 60 millions par jour. Mais il y a des pics. Il y a des moments où on monte à... où ça monte à 100 millions, même 200 millions par jour. Donc le système, il est dimensionné pour effectivement être capable, pendant une journée, d'avoir 200 millions d'observations, de les mettre dans un disque, quelque part en mémoire, et de les descendre pendant les 8-9 heures pendant lesquelles les antennes d'acquisition au sol sont disponibles. Alors qu'est-ce que c'est que ces morceaux-là ? Ben, c'est marqué. C'est quand le balai... Alors il faut que j'enlève le micro, parce qu'il faut faire les gestes, pour que vous compreniez. Voilà. En moyenne, parce que je suis en train de, c'est pas traverser la galaxie, je suis dedans. Hein, je suis dans le cœur, dans le plan galactique, et à ce moment-là, le nombre d'objets détectés est beaucoup plus important. Ça correspond à ce que j'ai décrit au début. La galaxie, c'est plein de petites étoiles, pas petites, des étoiles comme les autres, mais très proches les unes des autres, donc on en voit beaucoup plus. D'où ces pics. Ben, y en a un qui est juste en train de se terminer maintenant, février 2019. On est juste dans un plan emballage, plan galactique. On va en sortir dans une semaine à peu près. Puis on va reprendre le rythme normal. Tout ça, c'est prévu, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est des calculs à l'avance. On savait quand est-ce qu'on allait être là. On peut faire des prédictions longtemps à l'avance de ce qui va se passer. Mais vous voyez que depuis le début, il n'y a qu'une seule véritable interruption. On la voit là, en bas à droite. Février 2018, on a eu un gros ennui. Voilà, il y a un transpondeur, donc une électronique qui sert au contact entre le sol et l'espace, qui est tombée en panne. Fort heureusement, il y en avait un deuxième qu'on a mis en route et qui a bien marché. Et l'avantage également, c'est que les ingénieurs ont compris pourquoi il est tombé en panne. Donc on a pris les mesures pour éviter que ça puisse se reproduire. Donc on espère qu'on est parti de nouveau pour 5 ans. Sinon, c'est des interruptions d'une journée. J'en avais mis une pour montrer comment fonctionne une mission spatiale, pour les gens qui sont plus proches de ces techniques-là. Donc c'est un zoom en haut, on voit de la même chose, c'est le zoom de ma figure, autour du 8 octobre 2018. Vous voyez, là, il y a une perte de presque une journée. Donc on ne les voit pas sur le diagramme précédent. Une journée, bah, c'était assez curieux. Quand moi, je faisais le monitoring, je ne savais pas ce qui s'était passé, donc j'ai écrit aux ingénieurs pourquoi il n'y a pas de données ce jour-là. Ils m'ont dit, ben voilà, on a désactivé Gaïa, orienter Gaïa pour le protéger contre l'essaim des draconides, qui était prévu pour le 9 octobre, pour éviter qu'il y ait des petites micro-météorites qui viennent éventuellement abîmer le satellite, rentrer. Donc, à ce moment, on l'oriente dans l'autre sens. Et il y a une journée, effectivement, qui est perdue, mais c'est du pilotage, c'est pas un accident. Et donc, on le voit très bien là-dessus. Et la deuxième figure est plus compliquée à comprendre, mais elle montre également l'extraordinaire précision du pilotage à distance. C'est entre... Donc on faisait ça, hein, on tourne, on arrête une journée, et puis on repart. Hein, donc on a perdu la rotation. Pour la reprendre, et ben on s'est trouvé à 2 secondes de la rotation théorique, celle qu'on aurait eue si on ne s'était pas arrêté. Donc c'est excessivement... Le pilotage, c'est de la manette de jeu quasiment, mais c'est d'une précision remarquable, et tout ça fait par les ingénieurs de l'ESOC à Darmstadt, en Allemagne. Alors, toujours parce que moi, j'aime bien cette mission, donc j'aime bien montrer les choses qu'il faut. Tout fonctionne bien, d'ailleurs. Hein, mais essayer de trouver des moyens de l'illustrer. Donc, on va vous montrer ici un petit diagramme qui compare un calcul que l'on fait grossièrement un an à l'avance. Un an à l'avance, on a un plan de l'orbite. Elle est connue, mais pareil, elle ne sera pas exactement l'orbite calculée un an à l'avance. Mais surtout, la rotation, ça va vite. Donc la rotation, en principe, elle est également connue. C'est-à-dire qu'on souhaite suivre une loi bien précise. Donc on sait où sont les étoiles, on connaît l'orbite et on connaît la rotation de Gaïa et on fait le calcul un an à l'avance de l'instant précis à laquelle l'étoile X, Y, Z va être juste rentrée dans les détecteurs. Donc c'est simple à définir. Donc on fait le calcul et on compare
au résultat une fois qu'on a observé. Et le diagramme montre les écarts en temps entre l'instant calculé un an à l'avance et l'instant observé. Vous voyez que c'est de l'ordre d'une fraction de centième de seconde de temps. Donc, de nouveau, voilà un instrument qui, j'ai appelé ça une montre suisse, quoi, qui se déroule exactement tel qu'on le prévoit à l'avance. C'est très intéressant, puisqu'on peut largement prévoir à l'avance quand une observation va être faite, se préparer à quelque chose, se préparer à une acquisition, donner à des gens, voilà, telle région du ciel sera observée, mais c'est excessivement précis, bien évidemment. Et ça sert aussi à extraire les données. Dès l'instant de la précision comme ça, c'est plus facile d'extraire les données que si on n'avait pas cette précision. Alors, la rotation de Gaïa, c'est la partie probablement la plus complexe de la mission, donc on va essayer de décrire ce que fait Gaïa. Donc, j'espère que les animations vont marcher sur ce PC. Ça va être la surprise. On n'a pas eu le temps de les tester. Donc, Gaïa tourne pour l'essentiel autour d'un axe qui est l'axe de symétrie du satellite. Là, il tourne sur lui-même en 6 heures. Donc, c'est ça. Mais, bien évidemment, si je contentais d'un axe qui ne bouge pas, je ferai ça pendant 5 ans. C'est-à-dire que je serai toujours sur le même plan du ciel. Donc on va légèrement bouger le plan pour que d'un jour à l'autre, je me déplace. Donc un jour je fais ça, et puis le lendemain ça descend un petit peu. Puis sur le lendemain, voilà. Donc on va avoir un pilotage de cet axe qui ne va pas être fixe dans l'espace de façon à balayer le ciel. Alors il y a des diagrammes un petit peu compliqués. Voilà ce qui se passerait si effectivement l'axe était constant. Je serai toujours sur le même cercle. Maintenant, je fais bouger l'axe légèrement, hein, d'un jour à l'autre. Vous voyez, au lieu de se refermer sur lui-même, le cercle noir devient ce petit cercle pointillé en tiret bleu qui est décalé par rapport au même cercle. Et si on continue comme ça, bien évidemment, je vais aller sur tout le ciel si l'axe se déplace de façon adéquate. Donc l'axe, il va se déplacer sur ce petit cercle qui fait 45 degrés, centré sur le Soleil. Ça veut dire qu'il y a trois mouvements. La rotation en 6 heures, ce mouvement sur l'axe en 62 jours, et puis le mouvement du Soleil en un an. Donc il y a trois mouvements composés qui décrivent le balayage du ciel par Gaïa. Alors on va essayer de le voir, voilà, c'est là où il y a la surprise. Si, hop, hein, donc ça ne marche pas. Hein. Ouais, donc on ne va pas avoir les vidéos. Voilà, ben ce n'est pas très grave. Donc, alors, on n'a pas eu le temps. Ah, il y a encore des choses là, que je n'ai pas essayé. Oui. On n'arrive pas. Voilà, on n'a pas eu le temps de tester ça, donc ce n'est pas très grave. Donc ça, ça décrit sur le ciel. On va regarder le résultat final, qui est l'exploration du ciel. Donc quand on mélange ces trois mouvements, hein, à la fin, et qu'on fait sur le temps, voilà, on arrive à ce diagramme-là, qui est une projection, donc comme on fait une carte terrestre. C'est le ciel à la place d'être la Terre. Et la couleur traduit le nombre de fois où on est passé dans une région du ciel. Alors ça, c'est fait pour les résultats dont on va parler aujourd'hui. 22 mois de données. Donc, on appelle la data release number 2. Donc vous voyez, il y a des zones où on est passé une vingtaine de fois. Elles sont bien marquées, là. Et puis des zones où on est passé beaucoup plus. 60, 70 fois. Hein. Donc ça, c'est une propriété de Gaïa. Et les trous qu'il y a au centre vont se combler au fur et à mesure. Ça a été étudié pour. Hein. On savait que ça allait être comme ça au bout de 22 mois. On sait qu'au bout de 44 mois, cette partie-là va être remplie et qu'au bout de 60 mois, on sera passé partout. Donc voilà où on en est, par exemple, à peu près dans la future remise de données, donc qui comprendra 35 mois de données. Vous voyez, on a commencé à largement boucher les trous, mais ce n'est pas encore uniforme. Ça ne sera jamais complètement uniforme. Et voilà ce qu'on attend à la fin de la mission nominale, c'est-à-dire en juin 2019, lorsqu'on aura fait 5 ans d'exploration. Vous voyez qu'il y a encore des petites inhomogénéités en longitude, mais beaucoup moins marquées qu'avant. En revanche, bien sûr, l'inhomogénéité en latitude par rapport à l'écliptique est marquée. C'est une propriété de Gaïa, comme c'était une propriété de Hipparchos. Donc cette zone-là est en moyenne plus observée que la zone proche de l'écliptique, avec grossièrement un facteur 2. On ne peut pas faire autrement, c'est une propriété de ce balayage, c'est des compromis à faire entre différentes exigences. Donc Gaïa est au point de Lagrange, on l'a dit tout à l'heure, 1,5 million de kilomètres de la Terre, aligné dans le sens Soleil-Terre, point de Lagrange.
Alors, il n'est pas exactement au point de Lagrange, parce que là, il y a une éclipse permanente. Il est autour du point de Lagrange. Donc, il décrit une trajectoire. Alors, on peut appeler ça une orbite. Le mot orbite n'est pas approprié, parce que le point de Lagrange, ce n'est pas un attracteur. Il n'y a pas de force de gravité particulière. C'est une orbite. C'est une trajectoire qui est naturelle autour de ce point-là, même s'il y a des remises à pause de temps en temps, elle est globalement naturelle. Une trajectoire cosmique prévue par les mathématiques. Donc il est à 200-300 000 km du point de Lagrange, et la trajectoire est faite pour ne jamais traverser le point de Lagrange, parce qu'il y aura éclipse. Ça, c'est vrai pour 5 ans, mais dès l'instant où on veut prolonger la mission, il faut faire une manœuvre orbitale importante qui aura lieu le 19 juillet 2019 pour éviter l'éclipse. Et il y avait une trajectoire qui pouvait durer 5 ans, sans jamais passer par devant le point de Lagrange, donc sans jamais être dans l'éclipse de la Terre, du Soleil par la Terre, sauf si on laisse faire, au mois de juillet 2019, on passerait dedans. Donc il va y avoir une manœuvre orbitale importante, une vraie manœuvre orbitale. Tout à l'heure, le présentateur disait que j'étais impliqué dans différentes choses. Bon, aujourd'hui, dans l'avion, j'ai fait tourner des programmes qui, justement, travaillent sur le choix de cette orbite pour éviter l'éclipse et puis maintenir certains objectifs scientifiques. Nous, scientifiques, on ne détermine pas l'orbite, mais on lui donne des contraintes. Parce qu'on dit, ah oui, mais vous avez proposé 2-3, la numéro 3 ne nous plaît pas beaucoup parce qu'on ne pourra pas faire tel test ou on ne pourra pas faire telle chose sur les distances. On préfère la numéro 1. Bon, ben voilà, dans l'avion, le programme a tourné. Et ce soir, il y a un rapport qui est parti à l'ESOC sur ça. Voilà, donc c'est le quotidien de ce genre de choses, travailler sur plein de choses en même temps. Alors, donc, je vais finir avec Gaïa en tant qu'instrument. Donc, le pourquoi Gaïa, donc, c'était les étoiles éloignées, les déplacements annuels qui sont minuscules. Donc, on va revenir à ces déplacements. Et pour ça, le choix a été d'aller dans l'espace parce qu'on ne veut pas atteindre la précision qui est souhaitée pour faire la science visée en faisant du sol. C'est connu depuis Barcos également qu'on ne pouvait pas faire ça. Donc, on va passer un peu rapidement sur ça, sinon, je n'aurai pas le temps de faire les conclusions, je passe rapidement sur la partie qui est là. Donc le mouvement, j'ai parlé de la distance, je reviens au mouvement. Donc le mouvement des étoiles, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on voit là. Ça, c'est le mouvement diurne, 24 heures, 23 heures 56 minutes en fait, qui est l'image de la rotation de la Terre qui se voit dans le déplacement des étoiles sur le ciel. Ce dont on parle, c'est le mouvement relatif des étoiles les unes par rapport aux autres. Donc ce n'est pas un mouvement absolu, parce que c'est très difficile à définir, mais le mouvement relatif, donc la déformation d'un astérisque comme la Grande Ourse. Voilà, la Grande Ourse, il y a 150 000 ans. La Grande Ourse, il y a 100 000 ans. 50 000 ans, alors, telle qu'on la voit aujourd'hui, telle qu'elle est familière, puis voilà ce qui va se passer. Parce que, relativement les unes aux autres, les étoiles ont des mouvements qui font que leur disposition relative, donc la distance angulaire qui les sépare, évolue au cours du temps. Leur distance en profondeur également, mais ça, on ne le voit pas. Donc, c'est ces mouvements-là dont on parle. Quand on combine le mouvement des étoiles, qui est en gros un mouvement linéaire sur le ciel à peu près, avec cet effet de distance, qui est le mouvement de la Terre autour du Soleil, qui fait que l'étoile, on la voit un petit peu bouger comme ça sur le ciel. C'est ça qui permet de déterminer la distance. Là, ce qu'il y a sur le ciel, c'est quelque chose comme ceci. Alors le cas qui est ici, c'est le cas de l'étoile Vega, où c'est très équilibré. C'est-à-dire que la boucle venant du déplacement régulier de l'étoile et la taille de la boucle venant du mouvement reflet de la Terre sont à peu près de même taille. Dans la plupart des étoiles, ce n'est pas équilibré comme ça. Il y en a un qui est grand, l'autre qui est petit. Généralement, le mouvement de la boucle de distance est très petit. Et ce n'est pas forcément fermé, ça peut être aussi continu, il peut se passer des autres choses. Mais qualitativement, toutes les étoiles font un petit peu ça. Et pour décrire cette courbe, il suffit de 5 paramètres. Où on est à un instant initial, quelle est la pente de la courbe générale et quelle est la taille de la boucle. Ça fait 5 paramètres qui sont les paramètres d'astrométrie qui donnent à la fin la position, la vitesse des étoiles et leur distance. Alors, on passe à cette deuxième partie, on va la faire un peu plus rapidement, qui est où on en est. Donc, je dis, Gaïa a lancé en décembre 2013. La mission scientifique a débuté 6 mois après, le 25 juillet 2014. Il a fallu 6 mois de qualification en vol, on va dire, pour que tout comprendre ce qui se passait.
faire les premiers étalonnages avant de démarrer la mission régulière, celle qui vous donne 50 millions de détections par jour. Et depuis le 25 juillet, ça marche en continu, à part les petites interruptions dont j'ai parlé. Il y a eu, ça s'appelle la DR2, donc remise de données numéro 2, en anglais Data Release Number 2. Ça veut dire qu'il y en a eu une numéro 1, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui avait lieu en septembre 2016, qui était le premier catalogue venant de Gaïa. Mais il n'avait pas les distances encore, sauf pour quelques milliers d'étoiles, quelques millions d'étoiles. Le vrai Gaïa, il est arrivé dans cette remise de données du mois d'avril 2018. Alors on va passer en revue quelques résultats et quelques nombres. Donc on prend par les distances, il y a des données du système solaire. Il y a des étoiles, il y a des choses spécifiques sur la Voie lactée. Et puis après on s'éloigne, on a des amas globulaires, c'est-à-dire des gros satellites de 100 000 à 1 million d'étoiles, très compacts, qui entourent la Voie lactée, qui sont situés à une centaine, entre 10 et 100 000 années-lumière du système solaire. Il y a les galaxies extérieures, encore plus distantes, comme la galaxie d'Andromède, donc cette fois-ci on arrive aux millions d'années-lumière, et puis il y a les quasars et les galaxies externes, on n'avait pas grand-chose, mais sur les quasars, on avait des choses, déjà dans cette remise de données, basée sur 22 mois de données, 22 mois sur 60 de la mission nominale, c'est pas beaucoup, hein. Alors voilà, on ne va pas les décrire, tous ces chiffres, hein, mais le catalogue, il avait 1,7 milliard d'objets, de sources, c'est-à-dire sources individuelles, avec un numéro, avec une position, avec un mouvement propre éventuellement, pas toutes, mais avec une distance pour 1,4 milliard. Hein, la plupart d'entre elles avaient déjà. Et puis les données complémentaires, la photométrie dans le rouge, dans le bleu pour 1,4 milliard d'objets, les températures pour 160 millions d'étoiles, où il y avait une valeur de la température de surface. Les vitesses radiales pour 7 millions. Alors, je vais le situer hein, historiquement, ce que ça veut dire 7 millions. L'analyse de la poussière entre les étoiles et nous pour 90 millions d'objets. Et puis, des petites choses un petit peu spéciales. Vous avez des petits cercles, mais qui sont très importants. Le jaune, 500 000 étoiles variables. Il y a 500 000 étoiles pour lesquelles, on a dit, le flux, la quantité de lumière reçue varie, mais on avait plus que ça. On avait la courbe. Comment ça variait? Quelle était la période de variation? Pas simplement dire qu'elle est variable. C'est beaucoup plus que ça. Et puis, en vert là-haut, les 556 000 quasars qui ont servi à faire le système de référence. C'est-à-dire, voilà, l'axe X, il est là, l'axe Y, il est là, et l'axe Z, il est là. Et tout le reste est repéré par rapport à ça. Et tout le reste dépend de la qualité de ce système de référence créé avec les quasars. Alors, essayons de voir ça dans l'histoire. Tout le monde n'est pas familier, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, 7 millions de vitesses radiales, par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on a eu? Alors, on va regarder quelques-unes. Donc, j'ai pris des chiffres pour 1900, 1980, et puis Gaïa 2018. Donc, 1980, c'est avant Hipparcos, donc avant l'ère spatiale, astrométrie spatiale. Puis 1900, ben, c'est un nombre rond, quoi. Regardons les distances. En 1900, on avait 100 distances stellaires, c'est-à-dire 100 étoiles pour lequel on avait été capable de voir cette petite boucle qui vient du mouvement de la Terre, et où on pouvait dire qu'on connaissait la distance avec une précision meilleure que 50%. Comme ça qu'il faut le dire, hein, à peu près. En 1980, avant Hipparcos, il y en avait 10 000, et probablement 2 000 ou 3 000 à meilleure que 50%, en 1980. Donc on a construit toute l'astrophysique à partir de ces distances, puisque c'est ce qui sert à étalonner tous les autres, toutes les autres. Il y a eu Hipparcos, 100 000 étoiles, et Gaïa, d'un seul coup, vous donne 1,3 milliard de distance, dont, je n'ai plus le chiffre, à 20%, ça doit être... Alors, j'ai plus le chiffre en tête. Je crois que c'est de l'ordre de 100 millions. 20%, pas 50%. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est une révolution. C'est un paysage totalement transformé de l'astronomie. Regardons les vitesses radiales. Je ne vais pas les prendre toutes, mais les vitesses radiales, je trouve ça tellement impressionnant parce que c'est un travail, on va dire, tellement ennuyeux à faire depuis le sol, avec un rendement faible, parce qu'il faut faire des spectres, il faut les analyser, c'est excessivement long. Donc 50 vitesses radiales en 1900, rien. 30 000 en 1980, donc on en avait de l'ordre de 400-500 000 avant Gaïa. Et Gaïa, d'un seul coup, en 22 mois. Les autres, depuis 1890, ont fait des vitesses radiales. Donc on en avait 300-400 000 à partir de gros efforts. 22 mois de Gaïa, 7 millions de vitesses radiales.
Et dans la release numéro 3 qui va arriver en 2020, on aura probablement 50 à 60 millions de vitesses radiales. Vous voyez la puissance du spatial, la puissance d'un système automatique en relevé. Alors il y a beaucoup de travail au sol, hein, aussi, hein. Mais c'est ça la force de Gaïa, cette homogénéité, cette capacité à le faire constamment, jour après jour. Alors je ne décris pas les autres, mais vous aurez ce diagramme disponible. Le gain en précision, idem. Oh là, il y a des petits défauts, on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas fait du tout ce que je voulais, mais alors on va le passer entièrement, puis on va décrire après. Voilà, donc on prend une étoile standard de Gaïa. C'est-à-dire vous demandez à quelqu'un de la tirer au hasard. Hein, il y a des étoiles de magnitude 18 avant Gaïa qui avaient une meilleure précision que la moyenne. Si j'en prends une au hasard de magnitude 18, sa précision au sol était typiquement de l'ordre de 0,2 seconde. C'est-à-dire, voilà, ce qu'on a par les relevés, les atlas photographiques, toutes ces choses-là font qu'on connaissait le ciel à 0,2 seconde. Cette même étoile avec Gaïa, d'un seul coup, elle est passée à une précision de 0,0002. C'est-à-dire qu'il y a un facteur 1000. D'un seul coup, d'amélioration dans la position, dans la direction. Donc, ça veut dire dans la distance angulaire entre deux objets, également. Alors, cet facteur 1000, pour essayer de l'apprécier, je vais être dans l'autre sens. Je prends la précision en l'an 2000 et je la fais décroître de ce facteur. Même pas un facteur 1000, parce que je n'y arrive pas. Un facteur 100, simplement. Donc, combien d'années en arrière faut-il pour avoir ce facteur 1000, en l'occurrence un facteur 100? Ça nous ramène à Tycho Brahe. C'est un facteur 100 entre Tycho Brahe et l'an 2000, et avec l'espace, on a un facteur 1000 entre l'an 2000 et l'an 2020. Voilà. Donc, idem, un bouleversement, parce que d'un seul coup, il y a énormément d'informations nouvelles qui sont à prendre grâce à cette précision de localisation. Donc, ça situe bien, là, de nouveau, la force de la méthode et de l'acquisition systématique. Alors, maintenant, différents résultats rapides. Hein, le ciel en couleur avec Gaïa, quand on dit le ciel en couleur, il y a la couleur du ciel. Le ciel en couleur, c'est-à-dire que c'est une couleur artificielle. On a codé ici en couleur en fonction des indices que l'on a sur les trois magnitudes. Hein, par rapport. Donc, ce qui est important, c'est, en gros, quand c'est brillant, ça veut dire que Gaïa voyait beaucoup d'étoiles. Et quand c'est moins brillant, Gaïa voyait moins d'étoiles. Alors, on peut le regarder un peu dans le détail. Donc, on va dire que c'est une carte en densité. Hein. Ce n'est pas une photographie. Hein. Gaïa ne prend jamais de clichés. Il n'a que des objets individuels. Mais contrairement à une photographie, si je regarde ceci, puisque c'est très dense, ça veut dire que Gaïa a vu dans ce coin-là des millions d'étoiles. Donc, ce n'est pas un cliché comme ça où il a fait cette image, c'est 1 million d'objets qui ont été reportés sur cette image. Et chacun de ces millions d'objets, on connaît la position, on connaît éventuellement la distance, ça dépend où elle est, mais la position, le mouvement, la couleur, la brillance, les variations de la variation d'éclat. Ici, par exemple, dans les nuages de Magellan, on a trouvé des milliers d'étoiles variables, hein, pour lesquelles on a pu suivre. Voilà. Donc chaque fois qu'il y a une petite concentration, ça veut dire que Gaïa a vu ici des milliers d'étoiles, ici des milliers d'étoiles. Alors c'est généralement des amas ouverts, ou des galaxies, ou des amas globulaires. Et puis la partie centrale, eh ben, elle nous dit bien sûr qu'il y a des étoiles présentes, et puis qu'il y a des zones d'absorption. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Alors, le défaut de cette image-là, c'est que ça ne rend pas justice à Gaïa. Si on voulait faire la même carte, comme ceci, en ayant la véritable résolution spatiale, c'est-à-dire pas perdre d'informations, il faudrait une carte, je ne sais plus quoi, faire 10 000 km, je crois, j'ai plus de chiffres en tête, mais il faudrait l'agrandir à peu près à une échelle de 10 000 ou 20 000 fois la taille de la pièce, pas 10 000 km, mais plusieurs milliers de kilomètres, pour faire de la même carte sans perte d'informations en termes de position. Donc, on fait les plus belles cartes avec d'autres instruments. Gaïa n'est pas un objet qui est capable de faire des belles images. Mais quand on interprète l'image en disant « c'est pas une image, c'est une collection d'objets individuels », alors l'information est de nature très différente. Donc là, ici, c'est en couleur, et on peut voir là, ici, des zones à la plus haute résolution, voilà, qu'on voit dans le détail. Voilà, hein. Alors, idem, Hubble Space Telescope, une image du nuage de Magellan, elle va être beaucoup plus belle que ça. Mais ce n'est pas une image, c'est une reconstruction de données individuelles. La couleur du ciel, cette fois-ci, c'est vraiment les indices de couleur.
donc vers le rouge, vers le bleu. On voit bien sûr que la Voie lactée est très spécifique en termes d'étoiles. C'est là où se forment les étoiles. Donc il y a des étoiles beaucoup plus, d'abord en plus grand nombre, et surtout elles n'ont pas la même couleur globalement que des étoiles à l'extérieur de la Voie lactée. Alors j'ai parlé tout à l'heure de l'absorption. Donc on a dit qu'on peut voir en regardant, comparant température et couleur, on peut comprendre la quantité de poussière qui s'interpose entre l'observateur et les étoiles. Donc c'est ce qui est donné ici. En gros, plus on est vers le jaune brillant, qui paraît chaud, plus il y a d'absorption, plus il y a de poussière. Donc sans surprise, ça redessine la galaxie. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas des étoiles qu'on a dessinées là. C'est de la poussière. Donc c'est super que ça redessine la galaxie. Mais pareil, si on agrandit, on a des détails extrêmement fins des filaments qui sont là, qu'on ne voit pas bien évidemment sur cette projection. Alors les vitesses radiales, on va donner quelques petits résultats parce que c'est un très très beau résultat de Gaïa. Donc ce qui est donné ici, c'est un spectre. Un spectre, c'est-à-dire c'est la variation de quantité de lumière en fonction de la longueur d'onde, ici en angstrom, donc dans la petite bande de fréquence ou de longueur d'onde où travaille le spectromètre, donc de 845 nanomètres à 870 nanomètres. C'est une étoile hypercose, donc une voile relativement brillante, mais c'est un vrai spectre. Hein, c'est que d'observer avec Gaïa, et puis les composants responsables des absorptions, parce que c'est de l'absorption, c'est en négatif en bas, le fer, le calcium. Alors les trois bandes importantes, c'est le calcium. Et le système a été choisi spécifiquement pour travailler sur ces trois bandes du calcium, mais il y a bien d'autres choses, silicium, fer, qu'on voit très très bien dans les bandes. Donc, quand on analyse les spectres en termes de position, on peut en déduire la vitesse radiale par l'effet qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau, souvent effet Doppler, mais c'est pas normal de l'appeler effet Doppler. Doppler a intuité ce que pouvait être cet effet pour le son. Et la personne qui réellement a compris l'importance, et en plus il avait fait des erreurs sur l'interprétation en termes de couleur, c'est Fizeau, Hippolyte Fizeau, qui a compris qu'on pouvait en tirer parti et que l'effet n'était pas tout à fait identique à celui décrit par Doppler. Donc il est important de dire Doppler-Fizeau. Donc la précision des vitesses radiales, donc l'échelle ici c'est des kilomètres par seconde, donc vers nous ou s'éloignant ou se rapprochant. Le trait vert, c'est ce qu'on attendait en fin de mission. C'est-à-dire, c'est la précision espérée à la fin de la mission pour les étoiles. Vous voyez que dès les 22 mois, il y a déjà un facteur 2 ou 3 par rapport aux objectifs qu'on pensait être raisonnables avec cet instrument. Donc, un instrument qui fonctionne particulièrement bien. Donc, pour l'ensemble des étoiles jusqu'à, disons, suffisamment brillantes, hein, bien évidemment, on ne va pas la mettre toute 20, hein. On est à peu près 200 à 300 mètres par seconde, c'est-à-dire 0,2 ou 0,3 km par seconde, ce qui est un instrument absolument remarquable, même à l'échelle du sol, pour quelque chose qui fait du relevé. Idem, si je veux une étoile particulière et suivre une évolution de vitesse, je peux faire mieux pour des exoplanètes. Hein. Mais ce n'est pas une mesure absolue, d'abord, c'est une mesure relative, et ensuite elle se concentre spécifiquement sur quelques objets. Ici, on est en relevé. On fait des millions d'objets à l'appel. Alors, hop, voilà. Donc là, c'est des cas où ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais ce n'est pas grave. Donc, les étoiles variables, je vous montre un petit exemple ici. 150 000 étoiles variables identifiées, beaucoup, beaucoup plus. À la fin, on en aura du milliard, hein. Des centaines de millions, je n'ai pas de doute. Donc, 550 000 identifiées et étudiées. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les courbes de lumière. On regarde au cours du temps comment varie la quantité de lumière. On essaie de déterminer une période. Et ceci s'est replié sur la période. Et la période, par exemple, est 2 jours 25. On prend toutes les observations modulo 2 jours 25. Et ça nous donne un point dans ce diagramme entre 0 et 1. 0 à 1,5, il est répété, mais de 0 à 1. Et tous les points se destinent normalement à une courbe qui est caractéristique de la physique de l'oscillation de l'étoile quand c'est des étoiles de type oscillatoire. Il y a d'autres types de variabilités qui ne sont pas toutes oscillatoires. Mais ici, et dans la bande générale de Gaïa, dans la bande bleue et dans la bande rouge, les mesures sont quasiment synchrones. Et c'est très intéressant d'étudier, bien sûr, la variabilité dans trois bandes de couleurs différentes, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose qui se produit. Et ceci est aussi corrélé avec les variations de vitesse radiale si l'étoile est suffisamment brillante. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à tirer de cette chose-là.
Alors, des petits résultats qui viennent de l'exploitation, depuis la publication de la remise de données numéro 2, il y a eu 800 articles soumis. Certains sont parus déjà, mais beaucoup sont encore dans le processus d'évaluation. Mais on trouve en ligne 800 articles qui mentionnent Gaïa comme source de données pour le travail qui est fait. Ce n'est pas forcément la source unique. Hein, il y a d'autres données qui sont mélangées. C'est la force du système. Donc, je vais prendre deux, trois résultats. Ici, c'est des études des vitesses. Donc, les gens ont cherché des étoiles dont les vitesses étaient particulièrement élevées, plusieurs centaines de kilomètres par seconde, et qui manifestement passent dans la galaxie. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas gravitationnellement liées à la galaxie, au-delà de 250, je ne sais plus la vitesse exacte. Non, c'est 300 kilomètres par seconde. Un objet, il est, comme on dit sur la Terre, qu'on échappe à l'attraction. Quand on dépasse les 11,2 km par seconde, l'objet, il peut aller à l'infini par rapport à la Terre. C'est pareil pour ces étoiles-là. Elles ont une vitesse qui ne les lie pas gravitationnellement à la galaxie. Donc, elles arrivent d'ailleurs. Elles sont de passage. Voilà. Donc, ce terme étoile filante, c'est très difficile à repérer. Il faut avoir pour ça une vision à trois dimensions dans laquelle on a les trois composantes de la vitesse en kilomètres par seconde. C'est-à-dire qu'il faut donc le mouvement angulaire, mais la distance pour transformer ce moment angulaire en kilomètres par seconde. Et donc avoir un vrai vecteur vitesse qui donne ce genre de choses absolument étonnant de ces étoiles rapides. Le nuage de Magellan, je reviens au nuage de Magellan, donc voilà une image qui n'est pas de Gaïa, elle vient de Gaïa d'ailleurs celle-là, mais c'est surtout ce qu'on va faire avec, que je voudrais montrer. Voilà. Donc ça, c'est une étude qui a été faite immédiatement après la première remise de données. Donc il y a dans le nuage de Magellan des étoiles individuelles. Je vous en ai montré tout à l'heure, on dit qu'on a plusieurs millions. À cette époque-là, on n'avait pas encore plusieurs millions avec des vitesses, on avait quelques centaines. Et donc les gens ont regardé le nuage et ils ont tracé des petits vecteurs correspondant au déplacement mesuré. Donc on voit pratiquement, ça s'est fait presque dans la nuit de la release, les gens étaient prêts, cet article a été publié quelques jours après. Le dessin est immédiat, il suffit de très peu d'outils informatiques, savoir extraire les données, bien sûr c'est gros, faut très vite savoir extraire ces données-là et faire ce dessin. Alors voilà ce qu'il y avait donc avec le premier catalogue, et voilà ce qu'on a avec le deuxième catalogue. Voilà. Cette fois-ci, là on avait quelques centaines d'objets, donc c'est des moyennes, hein, bien sûr. Ici voilà ce qu'on a, on voit le flot, réellement le flot de rotation, du nuage de Magellan de façon réelle, tel qu'on peut le voir rien qu'en extrayant les données. C'est une publication qui est venue quelques mois après la sortie des données. Les ondes dans la Voie lactée, c'est cette fois-ci des traces qui ont été vues de régularité dans l'ensemble des mouvements de la Voie lactée qui sont des indicateurs d'une interaction qui a eu lieu entre la Voie lactée et une autre galaxie dans le passé. Alors on ne peut pas remonter complètement en arrière, mais il y a vraiment quelque chose qui est resté de l'histoire passée de la galaxie qui se voit dans les mouvements, un peu comme si vous allez dans la Gironde, par exemple. Moi, je le vois surtout à Nice, chez moi, quand je survole le Var. Il suffit qu'il y ait un peu d'orage. Et on voit la trace du Var dans la mer pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est-à-dire que ça ne se mélange pas. Si on allait étudier le champ de vitesse des petites granules, des petites pierres dans le Var, on dirait « Oh, là, il y a un fleuve qui est rentré dans la mer ». Sans savoir qu'il y a un fleuve derrière. Donc on fait la même chose avec les vitesses dans la galaxie. En étudiant le champ de vitesse, on remonte à l'histoire de la galaxie, qui a eu une histoire complexe. Ce n'est pas des étoiles qui sont formées un jour. Il y a eu des fusions des galaxies qui ont été happées, qui sont rentrées dedans, qui ont composé cette galaxie petit à petit. Résultat tout récent, alors on va essayer de l'interpréter. Vous avez trois galaxies ici qui sont la nôtre, la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle, qui est une galaxie voisine de la galaxie d'Andromède, à l'œil, comme ça. Donc ça, c'est à 2 millions d'années-lumière de nous, 2,5 pour Andromède. Donc les ronds, c'est la situation aujourd'hui. Voilà, on est là. Et puis on a pris un centre ici, qui est en gros le centre de gravité des trois. En étudiant le champ de vitesse, on s'aperçoit que la voie, dans ce plan où le centre ici, c'est le centre de gravité, elles ont tendance à se rapprocher les unes des autres. Voilà, donc Andromède ici,
et puis la galaxie d'Andromède ici. Donc on a la galaxie du triangle qui ne fait pas partie de ce système, elle s'en va là-bas. En revanche, notre galaxie et la galaxie d'Andromède sont amenées à se rapprocher. Alors ça ne veut pas dire que ça va rentrer en collision, mais en tout cas, à un moment donné, la distance va être nettement plus petite que 2,5 millions d'années de lumière, et il y a eu des interactions, des déformations, enfin, ça ne va pas se faire en un jour non plus. Ce n'est pas aujourd'hui, et quand ça se fera, ça sera une histoire longue. Mais là, avec les mouvements propres de Gaïa, on est capable d'étudier plus ensuite, étudier la gravitation, la trajectoire future de ces galaxies. Quelque chose de spécial, idem, si vous regardez, on n'aura pas l'occasion, mais le document de proposition de Gaïa, je vous ai dit au début, la résolution spatiale, on n'avait pas imaginé que c'était important. Bon, ce qui est fait là, ça figure nulle part dans la proposition de Gaïa, c'est quelque chose qui est venu, l'idée est venue plus tard, c'est-à-dire que Gaïa ayant une bonne résolution spatiale, inférieure à la seconde d'arc, largement inférieure, on peut détecter les lentilles gravitationnelles. Donc l'image qui est là, ce n'est pas une image de Gaïa, c'est une image du Hubble Space Telescope. En revanche, tous les petits points qui sont là, les petits points noirs, ce sont des détections de Gaïa. Donc Gaïa voit non seulement ce système, mais il voit les cinq composantes, les quatre images, plus la galaxie ici, qui est responsable de la déflexion relativiste de la lumière. Donc en fait, ça, c'est quatre images d'un quasar, qui est très très loin derrière, mais qui est... c'est un mirage, on appelle ça un mirage gravitationnel, l'antigravitationnel. Donc, c'est quatre images du même objet qui viennent d'un effet optique créé par la galaxie centrale qui est interposée entre nous et ce quasar qui est très distant. Donc, ça, ça fait à peu près 0,6-0 secondes d'arc. On doit avoir une échelle quelque part. Elle n'est pas ici, mais disons, c'est cet ordre-là. Donc, grâce à la résolution spatiale, il y a une solution pour ici. Aujourd'hui, on a une solution pour ça et bientôt, on aura une solution d'opposition pour les cinq images, ça ne fait aucun doute. Donc ça, c'est un prodige permis par la résolution spatiale et de faire une science qui n'était pas du tout prévue initialement. Allez, on finit avec le système solaire. Voilà la trace des observations durant les 22 premiers mois des 14 000 petites planètes qui ont fait partie de cette remise de données numéro 2. Donc 14 000, ça veut dire une vingtaine d'observations par objet, avec une précision qui est dehors de la milliard seconde. Et là encore, on a le facteur 100. C'est-à-dire qu'on n'a jamais observé des petites planètes solaires avec une précision astrométrique de ce type, de l'ordre de 1 millier de seconde. On a reconstruit des orbites comme on avait avant, même avec 22 mois. Ce n'est pas beaucoup, puisque les périodes typiques de ces orbites, c'est l'ordre de 5-6 ans. Donc ça va être beaucoup mieux dans les... Et donc la trace qui est là, bah, c'est la trace de l'écliptique. Hein. Les planètes sont essentiellement dans l'écliptique, ce qu'on retrouve ici. Donc la qualité des mesures Gaïa, donc ce facteur 100, on le revoit bien ici. Ce qui est dessiné ici, donc dans un carré de plus ou moins 4 secondes d'arc et plus ou moins 0,4, ce sont les données au sol et les données Gaïa. Donc on va chercher des données dans les bases de données, et puis on calcule une orbite et on dessine les écarts qui restent à la fin. Voilà. Ce qui est rouge ici, c'est les données Gaïa. Ça, c'est les données au sol. Et ça, c'est les résidus des données Gaïa. Et donc, on agrandit encore une fois. Voilà, on le retrouve. Donc, c'est assez remarquable. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, on voit la différence entre les observations classiques, on va dire. Et d'un seul coup, Gaïa également révolutionne ce secteur de façon pas inattendue. Ça, c'était prévu, on attendait ça, mais on le voit réellement maintenant. Alors, la suite de la mission. Donc, je dis, les 5 ans de la mission nominale, c'est fin juin 2019. L'instrument fonctionne bien. Les consommables à bord, il y a deux types de consommables. Il y a du gaz qui sert à piloter l'attitude, la rotation de Gaïa. On en a encore pour 5-6 ans. Et puis, il y a du carburant, de l'ergol, qui sert à la maintien à poste. Et là, il y en a encore pour 20 ans, s'il fallait. Ça ne consomme pas beaucoup. Donc, le facteur limitant, c'est la capacité de maintenir cette rotation. Je vous ai dit qu'elle est essentielle. Ce qui est essentiel, c'est la vitesse de rotation de Gaïa. C'est capital. Elle doit ajuster à la taille des pixels. Voilà. Il faut qu'en 0,9 millisecondes, on ait passé un pixel. Donc, ça, c'est fondamental.
Donc pour ça, ça ne se fait pas naturellement. Il faut donc piloter. Et on se sert de gaz froid qui est éjecté régulièrement pour maintenir cette vitesse de rotation. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Donc la mission d'observation va arriver à son terme, dans le fond, au mois de juin cette année. Il y a eu depuis 2 ans déjà des demandes d'extension. Donc il faut que... Ce n'est pas financé initialement. Hein. C'est 5 ans, c'est 5 ans. Même si techniquement c'est faisable, il n'y a pas les opérations financées tant pour l'acquisition que pour le traitement au sol. C'est pareil, tout le travail au sol, il est financé sur la mission nominale. Donc c'est un processus qui fait intervenir les AC, qui fait intervenir les agences nationales qui financent les équipes au sol pour qu'on puisse continuer au-delà de la mission nominale. Donc pour le moment, la prolongation est acquise, c'est-à-dire qu'elle a été votée par le comité des programmes scientifiques de l'agence jusqu'en fin 2020 et a donné une indication positive pour une extension jusqu'en 2022. Bon, tout est en place normalement pour qu'on aille jusqu'à la fin des consommables, si tout va bien, c'est-à-dire 2024. Hein. Ce n'est pas encore garanti, ce n'est pas donné, mais ça va se faire. Donc Gaïa devrait fonctionner jusqu'en 2024, c'est-à-dire faire une mission de l'ordre de 10 ans au lieu de 5 ans qui était prévu initialement. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la prochaine remise de données, donc 2020-2021, en deux fois ? 1,8 milliard de sources, donc là on arrive au nombre normal qu'on aura à la fin. Hein. Des vitesses radiales pour 40 millions, au lieu de 7 millions. Des étoiles variables de l'ordre de 10 millions, au lieu de 500 000. Les paramètres, donc température, gravité de surface, pour probablement quelques centaines de millions d'étoiles. Hein, c'est assez... Le système de référence, bon, entre 500 000 et 1 million de quasars. Là, la limite est atteinte en termes de sensibilité, mais en termes de qualité, non. Système solaire de l'ordre de 100 000 objets au lieu de 12 000. Étoiles doubles et multiples, imagerie et petits champs, voilà des choses qui devraient arriver autour de 2020-2021. Et puis après, ben, ça va faire 35 mois de données. Aujourd'hui, on en a 54 au sol, hein, qui sont déjà là. On sait. Gaïa s'arrête demain, il y a 54 ou 55 mois de données à traiter de toute façon. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire cette remise de données numéro 3 en 2020-2021 et que le traitement pour la remise de données numéro 4 comprenne toute la mission nominale. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est engagé avec l'ESA qu'à un moment donné, il y aura un catalogue et les résultats correspondant à la mission nominale, c'est-à-dire des données jusqu'au juin 2019. Et après l'extension, ben, ça fera l'objet également de traitement et de remise de résultats périodiques qui ne sont aujourd'hui pas définis. Mais le principe, c'est de la continuer en mission de relevé sans changer les paramètres, en restant aussi régulier que possible. C'est le facteur de qualité de Gaïa, cette homogénéité, cette régularité et l'échantillonnage temporel qui est assez remarquable. Voilà, j'espère pas vous avoir donné trop de choses complexes, mais évidemment, quand on parle de la science, ça devient pointu. Quand on parle de l'instrument, c'est plus facile à suivre. Et bon, ben, éventuellement, un rendez-vous dans 2 ou 3 ans lorsqu'il y aura de nouveaux résultats. Merci beaucoup. Oui, alors maintenant, on va, pour ceux qui peuvent rester, là, on va passer à la séance de questions. Donc, on a à peu près une demi-heure, à peu près. Voilà, donc, l'auditoire a la main. Je reviens. Oui, merci pour votre exposé. C'est un peu annexe à la mission Gaïa, je suis désolé, mais je n'ai pas compris la raison pour laquelle le quasar vu à travers la lentille gravitationnelle de la Voie lactée se transforme en 4 points, en fait. Alors, donc, vous avez un quasar qui est à, allez, on va dire, 1 milliard d'années-lumière, 2 milliards d'années-lumière, et quasiment dans la même direction, mais le quasiment est très important, hein, c'est des fractions de secondes. Il y a une galaxie relativement étendue. Et donc la lumière de ce quasar traverse la matière de la galaxie et est affectée par la gravitation de la galaxie. Et donc la lumière ne se propage pas en ligne droite lorsqu'il y a de la gravitation. Elle se courbe et donc ça fait un effet de lentille.
Alors, comme ce n'est pas régulier, ce n'est pas quelque chose de bien symétrique circulaire, il y a des concentrations de matière qui font qu'il y a des images qui se produisent dans différents endroits. En termes optiques, pour ceux qui sont opticiens, on dit qu'on travaille dans l'acoustique du système optique formé par la galaxie et le quasar. Oui, bonjour. Je voudrais savoir pourquoi il a fallu équiper Gaïa de deux instruments au lieu d'en avoir un seul. Pardon, au lieu... Pourquoi deux instruments au lieu d'un seul? Ah, deux télescopes. Pardon, je comprends que moi je dis trois instruments. Ah, ça c'est très beaucoup d'explications. Alors, la question, c'est le problème des parallaxes. Si vous n'avez qu'un seul instrument, on va dire, c'est-à-dire qu'on observe dans une seule direction, exactement, c'est ça qu'on va dire. Au moment où vous observez, vous avez 1000 étoiles qui sont dans la même direction, et à un moment donné, par rapport au Soleil, le Soleil est là-bas, elles font exactement le même angle. L'effet de la parallaxe et du mouvement de la Terre autour du Soleil est commun à toutes ces étoiles à un facteur d'échelle près. C'est-à-dire que l'étoile proche, la plus proche, elle se déplace comme ça, celle qu'on connaît se déplace dans la même direction, un peu moins. Donc vous ne pouvez pas, en observant une seule direction, résoudre un système complet de parallaxe. Vous aurez forcément une parallaxe qu'on appellera différentielle. Maintenant, si vous observez deux champs à la fois, et pas toujours de la même manière, ils sont au même angle, mais un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça. Les effets du mouvement de la Terre, donc de la parallaxe, sont moyennés. C'est-à-dire que ce champ-là et ce champ-là, ensuite ce champ-là, il va être avec ça, ensuite celui-là, il va être avec ça, les effets parallactiques vont se moyenner les uns par rapport aux autres, et vous pouvez déterminer les parallaxes absolues. C'est un peu délicat, il faudrait passer un peu de temps, mais c'est un élément essentiel. Tout à l'heure, monsieur rappelait qu'il avait été rapporteur du premier projet du professeur Lacroute, et la grande nouveauté de cette proposition, c'était d'observer dans deux directions simultanément. C'est absolument essentiel. Et si on pouvait faire trois, ça serait encore mieux. Et une des premières propositions de Gaïa, il y avait trois possibilités d'ailleurs. Bonsoir, merci de votre exposé. Donc j'ai deux questions. Alors, la première, justement, c'est pour le calcul des distances. Est-ce que, pour revenir un peu dessus, est-ce que vous utilisez justement la parallaxe liée aux deux positions de la Terre dans la rotation autour du Soleil, enfin de la localisation de la sonde autour du Soleil? Donc faire deux observations à 6 mois d'intervalle. Absolument. Pour calculer la distance? Ou d'autres techniques que... Non, le principe est celui-là. C'est de la trigonométrie. C'est exactement ce que vous dites. Donc, pas 6 mois de distance, ça va, mais disons, différentes observations autour du mouvement, bénéficiant du mouvement orbital de la Terre autour du Soleil, donc 150 millions de kilomètres, 150 millions de kilomètres dans l'autre, ou l'équivalent de ce que vous dites, à 6 mois d'intervalle, je suis à 300 millions de kilomètres de distance et j'observe la même chose de deux endroits différents. Le principe est exactement celui-là. Il n'y a pas d'autre technique pour faire des mesures de parallaxe absolue sans hypothèse sur la physique des objets. C'est de la pure trigonométrie. D'accord, ok. Et donc, alors la deuxième question, c'est est-ce que vous faites des corrections de mesures liées aux aspects gravitationnels qui dévient les rayons lumineux? Complètement. Alors, on peut donner quelques ordres de grandeur, mais je vais vous en donner un. Donc, on dit Gaïa, à la fin, on vise 10 microarcs-secondes, c'est-à-dire 1/100 de milliseconde. L'action gravitationnelle du Soleil sur un objet qui est à 90 degrés du Soleil, pas du côté du Soleil, 90 degrés, c'est 4 milliarcs-secondes. Donc toutes ces observations sont corrigées, tout le traitement, et dès le début, intègre la relativité générale dans le formalisme. C'est indispensable. Ce serait un très gros biais, une très grosse erreur, enfin tout ce qu'on veut. C'est énorme pour Gaïa même. Il peut y avoir 12 objets massifs sur la ligne de vue. Alors, ça, c'est les lentilles. Un objet massif sur une donnée, ça peut donner lentilles. Maintenant, un objet massif inconnu, etc., que ce soit, je ne dis pas quand. On le verrait à condition que quelque chose varie. Hein, si la géométrie ne change pas pendant les 50 missions, alors vous voyez que la position telle qu'elle est. On peut voir que quelque chose existe parce qu'il y a une variation. D'accord. Donc, dans le cas des lentilles, c'est encore autre chose, c'est un petit peu différent. On ne peut pas d'ailleurs savoir du premier coup ces quatre images. Hein. Il faut faire de la spectroscopie pour ça. On pense qu'il y a une lentille et on demande du temps de télescope au sol.
pour avoir de la spectroscopie. Et il se trouve que le groupe qui fait l'anti-gravitationnel et travaille entre autres avec des gens qui sont au grand télescope Keck, qui ont accès assez rapide à un spectroscope. Donc on a très vite de la validation des propositions de Gaïa de détection de lentilles. Oui, vous nous avez parlé des pixels et des tableaux de pixels, là. Je pense qu'il y a un autre instrument qui est très important, c'est l'horloge, je suppose. Vous avez une horloge qui vous calibre, et entre autres, la vitesse de rotation de Gaïa et qui vous permet de faire les corrections de vitesse. Il y a donc un générateur de fréquence, on va l'appeler comme ça, ce que j'appelle l'horloge. C'est deux horloges au rubidium, donc des horloges atomiques, mais pas au césium, au rubidium. Donc un en fonctionnement, un en redondance, qui sert à définir la base de temps fondamentale nécessaire pour Gaïa, c'est-à-dire le tic. Fondamental qui est largement inférieur à la milliseconde de temps, à partir duquel tout est réglé. Et après, il faut étalonner au sol. Bien évidemment, il y a un système spécial qui permet d'étalonner au sol, c'est-à-dire de comparer le tic à la seconde internationale, puisque vous ne l'avez pas sinon. Vous n'avez qu'un tic qui se répète. Et donc, on a un système d'étalonnage qui fait intervenir des horloges au sol et des signaux spécialisés qui sont envoyés tous les jours de Gaïa, qui permettent d'étalonner, de suivre le comportement des horloges au rubidium et d'avoir l'équivalent en fréquence internationale. Juste la cartographie 3D que Gaïa donne déjà aujourd'hui, est-ce qu'elle permet de caractériser les trous noirs dans les galaxies ? Alors, le trou noir de la galaxie, Gaïa, n'est pas le bon instrument. Pourtant, il fait les vitesses de tout ce qui se tourne autour. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que plus vous approchez du centre de la galaxie, plus il y a de poussière. Et donc, il faut de l'infrarouge. Donc, Gaïa n'a pas d'ailleurs, dans ses objectifs scientifiques, de déterminer les mouvements propres des étoiles très proches du centre, parce qu'on ne les voit pas. Donc, on arrivera. Il y a des instruments dédiés. Il y a une proposition post-Gaïa dans l'infrarouge, dont un des buts est effectivement de sonder le centre de la galaxie. Oui. Merci pour ce brillant exposé. Une petite remarque. Vous avez parlé d'étoiles filantes, parce que dans l'esprit du grand public, les étoiles filantes, ce n'est pas ça. Ah non. Alors, il peut y avoir une confusion, là. Alors, vous avez bien compris, le mot étoile filante veut dire que c'est des étoiles qui vont très vite. Non, mais c'est sens que, bien sûr, sur le ciel, elles ne bougent pas. C'est bien évidemment. Je comprends que ça puisse prêter à confusion par rapport aux étoiles filantes. Bon. Les étoiles filantes n'étant pas des étoiles, en plus. Ma question, enfin, j'en aurais beaucoup, d'ailleurs, mais je vais prendre la première. C'est un problème de référentiel. Vous avez parlé que vous preniez des quasars comme référentiel. Oui. Donc, toutes ces coordonnées des étoiles sont positionnées par rapport à ce référentiel. Oui. Et après, vous travaillez toujours sur ce référentiel ou vous transformez en coordonnées spatiales? C'est toujours un référentiel angulaire, de toute façon. Ce n'est pas spatial au sens trois dimensions. La précision de la distance n'est pas une précision au sens astrométrique. Donc, c'est des angles, dans tous les cas. C'est des orientations. Donc, les quasars, eux, ils sont pris comme étant des objets extrêmement distants et qui n'ont pas de mouvement relatif. Ils sont fixes. Voilà. Qu'on considère comme fixes. Bon, une deuxième question. Pour quelles raisons, je dirais, technologiques, Gaïa va détecter 1,8 milliard d'étoiles, mais que 500 millions de distance, que 40 millions, etc. Enfin, il y a des chiffres qui sont très variables. Pour quelles raisons? Alors, le but, c'est d'échantillonner la galaxie en ayant suffisamment d'étoiles dans chaque catégorie. Donc, alors, les étoiles, les catégories, c'est des catégories de température, c'est des catégories d'âge, de masse, de couleur, etc. Donc, vous voulez faire de la statistique. Pour ça, il faut que les échantillons de chaque sous-élément, de chaque bin ou classe, soient suffisamment peuplés pour qu'on puisse faire de la statistique. Donc, quand vous faites ça, sur le papier, en disant, si je veux étudier la galaxie, avoir son histoire, compte tenu de la rareté de certains types d'étoiles. Par exemple, on échantillonne des naines blanches, c'est la première fois qu'on échantillonne des naines blanches, il faut aller assez loin en magnitude et on arrive assez rapidement avec ce milliard. Alors, dans ce milliard, toutes les étoiles n'ont pas la même valeur. Les étoiles fréquentes, du point de vue de la statistique, sont moins intéressantes que les étoiles rares.
Mais voilà, vous faites du relevé, vous décidez pas à un moment donné, celle-là, c'est pas la peine, je connais déjà beaucoup de choses sur ce type d'étoiles. Mais pour avoir les étoiles rares, il faut aussi aller chercher toutes les autres. Ma question concerne le point de Lagrange. C'est ici. Voilà. Bonsoir. Le point de Lagrange. Pourquoi le point de Lagrange? Qu'est-ce que l'éclipse et pourquoi faut-il éviter l'éclipse? Alors, le point de Lagrange, c'est également un compromis entre la capacité, la facilité de transmission d'un satellite qui ne serait pas très loin, donc en orbite géostationnaire, c'était ça l'alternative, ou un satellite lointain. Mais la stabilité en termes d'environnement, de rayonnement et thermique du point de Lagrange est un gros avantage. C'est un endroit extrêmement calme. La Terre est une source de rayonnement polluant extrêmement importante, même au niveau géostationnaire. Et donc le compromis a fait que, même si le bilan de liaison est plus difficile à assurer, bien évidemment, à plus grande distance, le calme radiatif est un atout considérable. Alors maintenant, pourquoi éviter les éclipses? Eh bien, c'est parce que c'est une perturbation. Il y a deux choses. Quand vous êtes en éclipse, les panneaux solaires ne reçoivent plus de lumière. Donc, soit vous avez des grosses batteries, et c'est lourd. Donc, les seules batteries qu'il y a à bord, c'est pour l'orbite initiale, l'orbite basse. Donc, ça n'a pas été prévu pour ça. On aurait pu le faire, mais c'est des grosses batteries dans ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est que c'est une rupture d'équilibre thermique énorme. Donc là, l'optique, elle ne peut pas supporter. Donc, il faut rester en dehors des éclipses pour la stabilité environnementale. Donc, j'ai une question. Oui. Vous avez dit que le contrôle d'attitude se faisait à partir de gaz froid. Moi, ma machine à laver, elle est mal calibrée. Du coup, elle vibre quand elle tourne. Et donc, comment est-ce que vous faites pour calibrer ce désalignement entre la masse du satellite et... Est-ce que vous n'avez pas de capteur, vous n'avez pas de gyroscope? Il y aurait des vibrations. Comment ça se passe? Alors, la différence avec le tambour de la machine à laver, c'est la vitesse de rotation. Donc, tambour de la machine à laver, ça tourne à l'essorage, à 1000 tours par minute, des choses comme ça. Donc, l'équilibrage dynamique est très important. Ici, on fait un tour en 6 heures de quelque chose qui n'a pas de partie mobile. Donc, on n'a pas le même problème que le tambour de la machine à laver de ce point de vue-là. Il n'y a rien qui bouge, disons. Maintenant, le gaz. Quand je dis qu'il y a du gaz froid, c'est pour piloter quelque chose comme ça qui fait à peu près une tonne, mais on ne part pas de zéro. On veut simplement maintenir la vitesse au plus près de l'idéal. Et donc, c'est des petites bouffées comme ça. On consomme 14 grammes de gaz par jour. Ce n'est pas beaucoup. Et ça marche pratiquement en continu. Donc, il y a 12, 2 fois 6, petits émetteurs, mais c'est des petites bouffées comme ça. Donc ça ne produit aucun effet autre que celui qu'on veut, une petite modification de la vitesse de rotation, modification de l'orientation, et tout ça, bien sûr, alors le point que vous soulevez, qui est l'étalonnage de la quantité de gaz, tout ça, ça a été fait au sol, à l'avance, bien évidemment. Mais ça marche, ça fonctionne bien sûr en automatique, cette affaire-là. Tout ça, c'est un système automatique à partir des détections. On voit que la vitesse est plus bonne, c'est un système de feedback, La vitesse est plus bonne, hop, il faut rajouter quelque chose, et ça se fait sans intervention humaine. Oui. Mais du coup, pour revenir là-dessus, il y a quand même si c'est des toutes petites quantités, il y a quand même un principe d'accélération et de décélération, c'est pas une vitesse constante, donc vous devez quand même... Sur le balayage, vous devez quand même recalibrer tout ça, non? Parce qu'il y a quand même des petites pertes de vitesse, des ralentissements. Non, pas du tout. Pas à l'échelle de ce qui est souhaité. C'est-à-dire, j'insiste bien, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le balayage se fasse sur le plan focal, ça soit à vitesse constante sur le plan focal. D'accord. C'est-à-dire qu'un pixel qui fait 10 micromètres soit franchi en 0,95 millisecondes. Voilà. Ouais. Le point est celui-là. Et c'est ça qui est rendu constant, et c'est constant à, on va dire, aller 5 ou 6 chiffres après les virgules. Donc c'est excessivement bien calibré. C'est-à-dire qu'un décalage se voit très vite. Et par rapport au... Vous avez montré un diagramme de données avec des pics. Là, on est actuellement dans un pic de réception de données ou de transmission de données, je crois, en février 2019.
C'est ça. Vous le répétez, excusez-moi. Oui, là, vous aviez montré tout à l'heure un espèce de graphique avec des pics de réception de données. Monsieur, oui. Et là, on est actuellement dans un... Là, on sort d'un balayage plan galactique. Mais pourquoi on a ces pics, justement ? À quoi ils correspondent, en fait ? Eh bien, c'est comme on veut balayer tout le ciel. Hein ? Donc, il faut passer devant toutes les régions du ciel et de façon répétée, tous les mois, tous les deux mois. Donc, il y a des moments où le plan... ou l'axe, si vous voulez, l'axe est parallèle à la direction du pôle galactique. Donc, vous balayez dans le plan de la galaxie. Et c'est très bien. On ne cherche pas à l'éviter. C'est là où sont les étoiles. Et j'ai une dernière question. Oui. Je sais qu'il y a peut-être la durée, enfin, ça va peut-être être allongé, la mission, mais est-ce que vous savez où va finir Gaïa quand elle sera plus en oui, service ? Oui, bien sûr. Dans quel plan, dans quel... Donc, alors, là, de toute façon, il y a des règles maintenant qui s'imposent. Le point L2 en particulier, mais L1 aussi, c'est des points qui sont convoités. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Mais enfin, il y a de la place, hein. C'est pas le... Mais le satellite Herschel était là. Le satellite WMAP qui a fait la carte du rayonnement du fond de ciel était là. Le futur remplaçant du Hubble Space Telescope sera là également. Hein. Donc, c'est des points... Alors, en fin de mission... Comme pour les orbites basses, un satellite, il doit être enlevé de cette orbite. Donc on dit, le terme qu'on emploie en français, c'est déorbiter. C'est un mot terrible, mais... Donc il y a dans le carburant qui est présent, donc le moteur fusée qui sert à la mise à poste, on en a encore 70 kilos, il y a 15 ou 20 kilos qui vont servir à la fin de la mission à enlever Gaïa de L2. Et à ce moment-là, il sera en orbite autour du Soleil. Quoi. Voilà, pour... Ouais. Si on peut être un peu modeste pour l'éternité, mais on sait pas très bien ce qui va se passer. Voilà. Oui, oui donc, une petite question. Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats sur les tests de relativité générale ? Et est-ce qu'il y a un espoir qu'on puisse tester la théorie monde avec Gaïa ? Détecter là ? Ou est-ce qu'il y a, pour la deuxième question, est-ce qu'il y a une possibilité pour tester la théorie monde modified newtonian dynamique ? La théorie de la matière noire effective. Pardon. Oui, excusez-moi, j'ai compris maintenant. alors ça, ce n'est pas des tests de relativité, c'est simplement la rotation de notre galaxie et éventuellement la rotation de quelques galaxies externes. Mais restons à notre galaxie, ça fait partie des objectifs de voir si effectivement il y a de la matière dans la galaxie. Si la matière noire est absolument nécessaire, Gaïa, lui, il va donner des données fondamentales. Il va dire, voilà comment tourne la galaxie. Et voilà ce qu'on a vu comme matière. Voilà. Après, vont venir les théoriciens, qui ne sont jamais à court d'idées, pour essayer d'interpréter ce qu'on verra. Donc, la matière noire dans la galaxie, c'est un des objectifs de Gaïa, bien évidemment, et j'ai aucun doute sur le fait qu'on va avoir des informations très précises sur la présence, la densité de la matière noire, puisque le système Gaïa qui détermine les vitesses sur les trois composantes et les positions est par nature fait pour ça, quasiment. Bonjour. D'abord, merci pour votre exposé. Vous parliez d'étoiles variables. Est-ce qu'on a une explication du phénomène physique qui fait cette variation d'intensité lumineuse ? Oui, alors il n'y a pas une explication unique. Là, on pourra faire un cours sur les étoiles variables. Alors, on va dire qu'il y a deux grandes classes d'étoiles variables. On appelle l'étoile intrinsèque, c'est-à-dire réellement, si j'étais sur l'étoile, je verrais le flux radiation changer. Et puis les étoiles variables extrinsèques, c'est-à-dire que ce n'est pas le flux qui varie en elle-même de l'étoile, c'est parce qu'il y a des corps qui s'interposent. Donc prenons ce cas plus simple, vous avez une étoile double, c'est très bien, vous êtes loin de moi, ça c'est une étoile, c'est une autre étoile qui tourne comme ça. Hop, je passe derrière, la lumière baisse. Hop, je passe devant, la lumière baisse un petit peu. Les deux, la lumière augmente. Ça c'est extrinsèque, c'est ce qu'on appelle les binaires à éclipses. Il y en a beaucoup. Donc Gaïa les voit. Après, une étoile isolée, effectivement, le mécanisme principal, mais il y en a plusieurs, c'est de la pulsation. Donc l'étoile... Et quand elle fait ça, la température change en même temps. Refroidit, réchauffe. Alors ça dépend, il y a des différents cas. Mais quand vous voyez ça, vous avez également la vitesse radiale, puisque ça va, ça vient, ça va vers vous. Et on le voit dans la vitesse radiale. Donc on peut corréler la variation de vitesse et la température. Bon, ça, c'est des mécanismes physiques, donc pulsation. Et puis après, il y a d'autres mécanismes, des mécanismes plus catastrophiques. Quoi. Mais les variables régulières, c'est ça. Ça gonfle, ça se... Notre Soleil est une étoile variable.
Alors, très très peu, un millième. Mais si on observe le Soleil dans le détail, il y a des variations de flux de l'ordre de un millième qui se reproduisent. Alors, c'est très faible, hein, mais voilà, toute étoile est un petit peu variable. Sur le cycle de 11 ans, sur le cycle solaire. Oui, une question concernant la conception de la sonde. Compte tenu de sa position, est-ce qu'elle est exposée au problème de radiation, de flux de particules avec les ceintures de Van Allen ? Et donc, est-ce que ça induit, notamment pour la durée de vie des capteurs, des dispositions particulières ? Alors, il y a énormément de particules du type proton, hein, les particules électriques, qui arrivent dans le rayonnement cosmique. Donc, le détecteur de Gaïa, je ne vais pas expliquer dans le détail, donc je vous dis, il détecte les étoiles. Mais en fait, il détecte chaque fois qu'il y a un changement dans le CCD. Et une fois sur 100, par exemple, sur cet ordre-là, c'est un rayonnement, ce n'est pas une étoile. Donc, le premier détecteur astrométrique, il est là pour confirmer. C'est-à-dire, si on retrouve deux fois la détection, alors c'est une étoile. Si c'est un rayonnement, on l'a vu qu'une fois, il y a peu de chances que ça se reproduise 4 secondes plus tard. Donc, ça, c'est une des inquiétudes qu'il y avait au début sur l'usure éventuellement prématurée. Alors, il y a des petites protections, mais il n'y a pas de blindage au sens strict. Il s'avère que le cycle solaire est excessivement faible depuis le lancement de Gaïa. Hein, même s'il est remonté, il est faible. Et donc, il y a peu d'activité solaire, donc peu de rayonnement. Et ensuite, le flux cosmique, ça se passe mieux que prévu. Quoi. Et que les détecteurs ont un coefficient d'usure ou une échelle de temps d'usure qui est beaucoup plus faible, dans la facteur quasiment 10, je crois, par rapport à ce qui avait été escompté. Mais on détecte des particules. Et en plus, il y a aussi des micrométéorites qu'on ne détecte pas, mais qui frappent Gaïa. Donc, dans les variations, quelqu'un parlait de la vitesse, des choses qu'on peut voir de temps en temps, c'est des vraies variations, alors millisecondes d'arc, hein, mais qui viennent de micrométéorites de 1 gramme, 1 dixième de gramme, qui est arrivé à 20 km par seconde et qui a frappé le satellite. Ça se voit. Bonjour, oui. Merci pour cet exposé. Pour revenir à ce qu'a dit le monsieur avant, tous les déchets par rapport au satellite qu'il y a dans l'espace, il va se passer quoi en fait ? On compte faire quoi pour on va les laisser là ou il y a une mission ou pas ? Est-ce que vous pouvez répéter ? Je vais mal entendre. Par rapport aux déchets spatiaux, les satellites, on sait qu'il y en a énormément autour de la Terre, mais qui sont hors fonction. On compte en faire quoi ? Les laisser là, comme dans les océans pour les déchets ou... Les débris, vous voulez dire ? Oui, les débris. Oui. Ah, d'accord. Alors, c'est une bonne question. Hein. Gaïa est un futur débris spatial, à très grande distance. Hein. Aujourd'hui, on ne s'en préoccupe pas trop, mais peut-être que dans 100 ans, on trouvera que les gens de notre génération ont laissé dans l'espace, un espace précieux, des débris. Il n'y a pas de problème. Ça, on crée des débris. Alors, pas en orbite basse. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci autour de l'orbite solaire à 1 million de kilomètres. Hein. Mais potentiellement, c'est un débris. Personne aujourd'hui a la technique et n'est prêt également à mettre le financement pour essayer de rapatrier les objets qu'on met à 1 million de kilomètres. On ne sait pas faire. Hein. Il faut à peu près le même lanceur pour faire revenir quelque chose que le lanceur qui a été utilisé pour l'envoyer. Hein. Voilà. Et j'ai une deuxième question. Pardon, et ? J'ai une deuxième question. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais par rapport à la distance de Gaïa, par rapport à la Terre, c'est à combien de distance ? 1 500 000 km. D'accord, merci. Je m'en souvenais plus. Ça varie entre 1,3 et 1,6. Vous dites que les deux premières bandes, c'est pour détecter si c'est une étoile. Et comment ça se fait, du coup, qu'il n'y ait que 1,8 milliard d'étoiles qui ont été détectées ? Puisque dans la galaxie, il y a beaucoup plus que ça. Donc, il devrait y avoir beaucoup plus de détections. Alors, dans la galaxie, il y a beaucoup plus que ça, mais il n'y a pas beaucoup plus que ça qui sont plus brillantes que la magnitude 20.7. C'est-à-dire, chez nous, ce qu'on voit, c'est tous les objets, toutes les étoiles, on va dire, dont l'éclat apparent vu du sol est plus brillant que 20.7. Et il y en a de l'ordre de 1,8 milliard. On sait aujourd'hui. On ne savait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, on le sait. D'accord. Merci. Et juste une deuxième question. Comment est-ce que vous savez qu'une étoile repasse ?
et que vous pouvez la comptabiliser comme une étoile déjà passée. Ah, ça c'est... Là, l'empreinte digitale, alors, en fait, qui permet de... Non, mais déjà, première chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai montré un exemple de calcul à l'avance d'observation. Donc on sait à tout instant, avec grande précision, dans quelle direction observe Gaïa. Donc à un moment donné, vous savez que le petit champ couvert par le détecteur, il recouvre le champ qui a été observé 2 mois avant, en partie. Alors ça ne suffit pas encore, parce que là, ça me laisse encore des milliers d'objets. Mais Gaïa fait, dès la détection, il fait une mesure de localisation à 2 dimensions. C'est-à-dire qu'on connaît la direction, alors pour un astronome, c'est-à-dire l'ascension droite et la déclinaison, à 0, mieux que 1/10 de seconde d'arc. Donc quand vous avez un nouvel objet, vous avez ses coordonnées à 1/10 de seconde d'arc. Vous allez dans la base de données de tout ce qui a été observé et vous cherchez s'il y a déjà un objet qui a été vu dans cette direction-là. Généralement, il n'y en a qu'un. Donc c'est la bonne. Et pendant un certain temps, il peut y en avoir plusieurs parce qu'il y a des incertitudes. Bon, voilà, il a un numéro provisoire. Puis vous allez faire le traitement de tout ça en supposant que c'est des objets différents et vous allez avoir des coordonnées au 1/1000 de seconde d'arc. Et là, vous dites, ah, c'est le même. Et là, vous allez fusionner les données. Mais c'est une question compliquée, hein, cette affaire-là. On n'a pas de catalogue de départ. Donc, il faut amorcer le système. Bonsoir. Il paraît que Gaïa a permis de détecter une nouvelle galaxie naine assez diffuse autour de la galaxie, de la Voie lactée. Hein. De l'autre côté du bulbe, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou pas? Je ne peux pas vous donner de réponse détaillée. C'est vrai. C'est exact, hein, il y a effectivement une première détection d'une nouvelle galaxie naine, et il y en a plusieurs, il y en a 10, 20 déjà autour de la galaxie. Hein. Galaxie naine, il n'y en a pas qu'une. Mais il y en a effectivement une qui n'avait jamais été vue et que... Alors, je n'ai pas vu le détail, hein, je ne peux pas vous donner le détail, comment ça a été fait, quelles données typiques ont été envoyées pour ça, mais ce que vous dites est exact. C'est un des résultats dans les articles soumis concernant ça. Mais il y a aussi des détections de d'amas, ce qu'on appelle d'amas d'étoiles, dans la galaxie, qui était caché derrière Sirius, par exemple, un peu caché par la brillance de Sirius. Et Gaïa, dans l'espace, lui, est moins gêné et a pu voir un amas d'étoiles qu'on n'avait jamais listé jusqu'à maintenant. Oui. Par quelle méthode vous positionnez le satellite quand vous changez de plan de rotation par rapport à quoi vous le positionnez? Par rapport aux étoiles. Donc c'est encore les quasars Oui, mais c'est encore les quasars. C'est un système complexe, cette affaire-là. Hein, au départ, on n'a rien. Voilà, je vais vous dire autrement. On cherche la position des étoiles. Je lance un satellite et je sais parfaitement comment il tourne. Prenons cette hypothèse. Ah, ben c'est parfait, j'ai qu'à regarder comment il tourne et j'ai les coordonnées des étoiles. À l'inverse, un star tracker, c'est-à-dire déterminer la rotation de la satellite, on dit « Ah, je vais prendre les étoiles des astronomes, je vais les détecter et je vais savoir comment est orienté mon satellite. Ben, » Gaïa, il fait les deux choses à la fois. Il considère qu'on ne connaît rien et il essaie de déterminer à la fois la rotation de Gaïa, c'est-à-dire comment il est orienté, et à la fois où sont les étoiles. À la fois amorcer le système, bien évidemment. Donc au départ, il y a un petit catalogue, Hipparchos, qui permet d'avoir déjà un point de départ. Et après, c'est un système autoconvergent qui permet de faire les deux en même temps. Mais il y a beaucoup de mathématiques derrière, bien sûr. Oui, justement, dans cette question-là de convergence, j'imagine aussi la connaissance de la trajectoire du Soleil par rapport au centre de la galaxie a dû être, j'imagine, améliorée dans les mêmes proportions que le positionnement des étoiles de la galaxie. Oui, je ne sais pas s'il y a déjà eu des publications là-dessus, mais c'est évident que ça va se faire. C'est-à-dire que la position du Soleil, c'est un des paramètres qui déduit du modèle général de rotation de la galaxie. Ce n'est pas le Soleil par rapport au centre de la galaxie. Le centre de la galaxie, c'est quelque chose qui est déterminé par le mouvement. Il n'y a pas quelque chose qui est le centre, il n'y a pas un drapeau. Donc c'est le mouvement qui détermine ce qu'on appelle le centre, et donc où on est par rapport à ce centre, à quelle vitesse on va par rapport à ce centre. Ça fait partie des résultats. Je ne sais pas si là, ça a déjà été publié, mais ça le sera, bien évidemment. Sinon, plus généralement, sur les galaxies, donc vous aviez indiqué que la résolution donc, de Gaïa était particulièrement bonne.
Qu'est-ce que Gaïa a apporté dans ce domaine-là? Est-ce qu'on a dû trouver, à part les, donc, de nouvelles galaxies, ou une précision peut-être meilleure dans le positionnement de ces galaxies? Alors, sur la résolution spatiale? Est-ce qu'on peut résoudre des galaxies avec plusieurs pixels? D'abord, Gaïa, il ne voit que des objets ponctuels. Donc, si c'est des galaxies relativement proches, Andromède, 2 millions d'années-lumière, voilà, c'est une galaxie proche, ou les galaxies naines, ou les nuages de Magellan, on voit des étoiles. Ce n'est pas la galaxie qu'on observe, ce sont les étoiles. Quand on va aller très loin, des galaxies qui sont à des centaines de millions d'années-lumière, cette fois-ci, les galaxies, c'est un point. C'est une tache. Là, on ne la résout pas en étoile. En revanche, elle a un centre suffisamment lumineux pour qu'elle-même soit vue et on en va avoir une petite image. C'est-à-dire qu'on va avoir, est-ce qu'elle est un peu aplatie, est-ce qu'elle est un peu allongée, on va avoir des indicateurs morphologiques. Voilà, ça, c'est ce qu'on va faire avec la pseudo-imagerie de Gaïa. Et pour les plus proches, est-ce qu'on peut avoir une approximation un peu meilleure de leur distance? Oui, bien sûr. Oui, surtout jusqu'à Alexis Andromède, disons, les nuages de Magellan, ça ne vaut aucun doute. Pour les autres, la moyenne des distances, c'est pas, ça ne sera pas forcément un bon indicateur. En revanche, les étoiles variables qui vont être dedans, là, ça va être un très bon indicateur. Et puis, il y a le mouvement, enfin, il y a des choses un peu plus complexes qui ne sont pas directement de la parallaxe. Mais toutes ces galaxies naines vont être positionnées à trois dimensions, beaucoup mieux qu'elles le sont aujourd'hui. Alors, je pense qu'il va falloir malheureusement s'arrêter, puisque la sécurité va nous mettre dehors. Ah oui, voilà. Donc, je crois qu'on peut remercier encore M. Lumière. Et donc, nous nous retrouvons donc le 19 mars avec Mme Vauclair.